Bonsoir tout le monde. Bon, il y avait encore une minute sur le compteur, mais pas grave. Je dis, je commence à 18h, donc dans l'absolu, j'essaye de commencer à 18h. Donc, bonsoir de vive voix, Dan. Comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que t'as passé une bonne journée. Ah, je sais pas ce que je vais faire aujourd'hui. Au niveau du stream, je veux dire. Est-ce que je me retente papa version 2 ou... est-ce que j'essaye de faire la chasse aux bienfaits légendaires, sachant que je retrouve pas mon PDF où j'avais listé ce qu'il me fallait pour les bienfaits légendaires? Donc, c'est un peu... je vais pas dire compliqué, mais j'hésite... ah non, si, je viens de le récupérer en fait. Ok, j'ai rien dit. Bah, je vais l'ouvrir. Enfin, je dis PDF, c'est un grand mot, hein. C'est un truc tout pourri. Bah bon, au moins il fait son office. Oui, Chuba, bonsoir, bonsoir. Tu te souviens de mon entretien de la semaine dernière? Ah bah, puisque t'en parles justement, je sais pas si t'avais déjà les résultats, mais... ben, je sais pas, il se passe quoi? Bonsoir Azriel, comment ça va? Ouh, t'as la deuxième partie avec le RH demain, déjà? Bah ça c'est cool, hein. Ça c'est cool parce que déjà qu'il te fasse pas attendre pendant un mois, quoi. Croisage de doigts, et d'orteils, et de couilles, et de tout ce que vous voulez. Enfin, pas les couilles parce que j'en ai pas, mais... enfin, jusqu'à preuve du contraire. Ouh, non, c'est bon, ça va. Bah écoute, en tout cas, bonne chance. J'espère que ça va bien se passer, et puis... enfin, bien se passer, non, en fait, on s'en fout que ça se passe bien, on veut que t'aies le job. Même si l'entretien se passe mal, du moment que t'as le job, ça va, non? J'espère. Ouais, en tout cas, allez, sérieusement, je croise les doigts. Ah, moi, j'essaye de faire un coup d'état au boulot. Enfin, un coup d'état, je déconne, hein, je plaisante. Non, mais j'ai des propositions à faire à mon manager pour faire évoluer certaines choses. Et si ça marche, ça pourrait être très très cool. Évidemment, je vais pas en dire plus, hein, parce que c'est pas censé être public. Mais ouais, révolution, c'est ça. C'est ça. Non, c'est des... j'avais un projet. Il se trouve que mon projet rencontre pile le projet d'une autre personne dans une autre partie de la boîte. Et du coup, on s'est regardé, on a fait... si on se mettait ensemble, on aurait plus de poids et on pourrait concrétiser un truc. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Donc du coup, bah je vais voir. Je vais voir. Parce que ça serait un peu plus... ouais, enfin, à la fois dans mes cordes et dans les trucs que j'ai vraiment envie de faire. Donc... ah bon, j'en dis pas plus parce que pour l'instant, c'est très très nouveau. Et bon, ben, sachant comment les choses peuvent progresser, notamment en période de Covid et tout, si ça se trouve, avant 6 mois, il se passe rien. Donc, mais je suis quand même contente, ça m'a mis de bonne humeur. Et puis, voilà. Voilà. Sinon, pour vous, comment se passe la semaine jusqu'à présent? Bon, je sais qu'on est que mardi, on n'est pas tout à fait à la moitié. Et j'espère que ça se passe bien. En train de me dire, est-ce que j'ai les sous-titres? J'ai important la bonne humeur. Bah ouais, clair. Oui, parce qu'en plus, streamer quand vous avez le moral dans les chaussettes, c'est... Autant avoir pas le moral soi-même, c'est une chose, mais quand vous l'imposez à d'autres personnes, genre sur un stream ou un truc comme ça, c'est pas toujours terrible. Mais ouais, c'est important, on est bien d'accord. Alors, je vais essayer de vous montrer mon mug du jour, enfin du soir, mais je sais pas si vous allez le voir, parce qu'il est vert sur fond noir. Donc à mon avis, au mieux, ce sera transparent. Ah ouais, c'est transparent. Ah, c'est stylé comme ça. Et évidemment, c'est pas du bon côté, et c'est trop chaud pour que je le tienne. Coucou Scooby, comment ça va? Ah bah oui, t'as dit t'es peut-être dispo ce soir, toi. Voilà. Je sais pas si vous voyez le magnifique circuit imprimé du musée des ordinateurs. Bon, le circuit est en vert, évidemment, vous le voyez en transparence. Hein. Super, super, bah c'est excellent. Ouais, c'est le musée national des ordinateurs. J'ai adoré ce truc, j'y suis allée il y a 2 ans. Enfin, en 2018, en été 2018, et... ah ouais, c'est stylé, quoi. Et c'était le truc, ils avaient des vieux ordinateurs, y compris ceux des années 70, où le disque dur, on dirait une machine à laver. Et ça sentait la vieille machine, là, cette espèce d'odeur de cramé, un petit peu d'ozone comme ça, et c'était... ah, c'est trop bon, quoi. J'ai failli sniffer les ordinateurs, je l'ai pas fait parce que j'étais en public, mais... mais j'ai remarqué, je ne suis pas la seule à sniffer les alim sortis de l'emballage, parce que Sior PC fait ça aussi. En particulier les seasoniques, parce que...
Ah, il y a une petite odeur sur les saisonniques quand même. Il est où ce musée? Alors, il est au Royaume-Uni. Et c'est ben, juste à côté de Bletchley Park. Donc, Bletchley Park, en fait, il y a le manoir avec donc ben, là où il y avait les codeurs qui décryptaient Enigma, Tuna, Fish et compagnie pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, c'est pas dans l'enceinte de la propriété, mais juste à côté, il y a le musée des ordinateurs. L'odeur de la qualité, ouais, c'est ça. Mais si vous avez l'occasion d'y aller à l'occasion. À l'occasion. Si vous avez l'occasion d'y aller un jour, c'est. Par rapport à Londres, c'est à peu près 1 heure de train. Vous prenez le train direction Milton Keynes et à peu près 1 heure vous y êtes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment juste à côté. Et puis Bletchley Park, c'est quand même super connu, quoi. Donc c'est. Bah, d'ailleurs, justement, sur la ligne de train en question, je crois qu'au niveau des arrêts, je sais plus si c'est juste avant ou juste après Milton Keynes, mais il y a l'arrêt s'appelle Bletchley Park, et après c'est 5 minutes de marche et vous arrivez au musée, quoi. Donc. Et c'est pratique parce que vous avez largement le temps de faire genre Bletchley Park en matinée, si vous arrivez, je sais pas, vers 9 h. Bah quand ça ouvre quoi. Vous le faites dans la matinée, vous vous installez bah, dans le parc du manoir pour bouffer, puis à 14-15 h vous allez au musée des ordis qui est juste à côté, et comme ça après à 18 h vous avez votre train. Et c'est effectivement bien pratique et bien cool. Mais c'était super intéressant, ils avaient une reproduction d'un. Alors je ne l'ai pas maintenant, mais pour ceux qui étaient sur le stream début janvier. Au début février encore, peut-être même. En arrière-plan, j'avais pas ça. J'avais bah, la reproduction du Colossus qu'ils ont monté justement au musée, quoi. Et c'était très sympa à voir. Il y avait un mec qui était en train de faire l'entretien. Il y a aussi le plus vieil ordinateur numérique en état de marche qui s'appelle le Witch. Donc celui-là, j'avais la tasse dimanche dernier. Et alors bon, il fait pas grand-chose hein, comparé à. Vous prenez un smartphone maintenant, c'est bon, c'est le jour et la nuit. Mais c'est intéressant de voir comment ça a commencé. Et cette époque où il y avait des gens, je sais plus si c'était Arthur C. Clarke ou quelqu'un d'autre, je sais plus qui avait dit à l'époque dans les années 40-50 que voilà, les ordinateurs, c'est genre. On arrivera difficilement à le réduire en dessous de la taille d'une pièce, que les gens pourront jamais en avoir à la maison. Enfin, que vous regardez maintenant, tout le monde a un ordinateur dans sa poche maintenant, quoi. Ah, c'était une sacrée bête pour l'époque, bah ouais, clair. Mais c'est ça aussi qui m'a toujours éclaté dans les. Quand on prend de la science-fiction d'il y a 30, 40 ans, ou avant. Et qu'on regarde ce qu'il y a maintenant, ou même si on prend le cyberpunk, les années 70, tout ça. Donc tout ce qui est parti là, bah de cette esthétique et de ce courant, où on voyait, ils avaient envisagé l'équivalent de la matrice, le net, les trucs comme ça. Mais il n'y avait aucune trace du Wi-Fi, par exemple, ou enfin aucune trace d'une technologie sans fil. Et quand moi je jouais encore au jeu de rôle sur table Cyberpunk 2020, donc ça c'était bah, il y a 25 ans. On avait, moi je jouais à Netrunner justement, hein, pirate informatique, tout ça, bah j'avais une console et il fallait que je la connecte à des bornes pour pouvoir faire mes hacks, quoi. Donc si je voulais hacker au niveau d'une, je sais pas, l'immeuble d'une corpo, il fallait qu'on se déplace et qu'on aille trouver une borne voisine pour aller se brancher là-bas. Alors que maintenant, tu fais, bah le Wi-Fi, les gars, je sais que c'est pas hyper sécure, mais enfin bon, on peut sûrement faire des choses avec le Wi-Fi, non? Et c'est très très marrant, quoi. La miniaturisation, c'est pareil. C'est le smartphone, par exemple. Personne n'avait envisagé ça. Alors que maintenant, on se dit, mais en fait, c'était absolument évident que. Du moment où on a eu des téléphones mobiles sur lesquels il y avait le. Alors à l'époque, c'était le WAP. On pouvait avoir des pauvres sites internet, tout basiques, là, limite mot de texte. Mais du moment où ça s'est arrivé, qui est-ce qui disait qu'on n'aurait pas plus, quoi? Bon, en contrepartie dans les réseaux sociaux, c'est pas forcément un bien, mais bon. Je vais pas faire mon vieux con non plus. Enfin voilà, je suis contente que j'aime beaucoup cette tasse, j'espère que je vais pas la péter. J'en ai encore au moins une dizaine d'autres hein, que je peux mettre en stream, faut juste que j'ai le. Que je. Il me faut vaincre ma flemme de vider le placard parce qu'elles sont tout au fond et il faut que je les cherche. Mais ouais, j'essaye de faire une tasse par semaine ou un truc comme ça, histoire de varier un peu, parce que j'en ai quand même peut-être une quarantaine chez moi. Ah ouais, ça fait classe comme ça avec le rouge. C'est vraiment marrant. Bon, le filtrage sur mon écran vert, il est pas terribilis, mais. J'essaye de trouver un compromis où.
Ou je serais pas blanche comme un vampire non plus. Dan Simmons avait imaginé le smartphone dans Hyperion s'appelait un Persoc et c'était sous la forme de bijoux. Mais oui, t'as raison. Et j'ai pas relu Hyperion depuis 20 ans. J'ai honte. J'ai absolument honte. Il faut que je me le trouve en anglais et que je me relise ce truc. Malheureusement, ça fait partie des bouquins en français que j'ai vendus quand j'ai déménagé ici. Parce que je pouvais pas tout emmener. Je me suis dit, je vais au Royaume-Uni, je vais pas garder des bouquins en français. Surtout d'auteurs anglo-saxons à la base qui écrivaient en anglais de base. Mais... c'est vrai que j'avais oublié le coup du Persoc. En même temps, oui, c'est ça, parce que nous, on voit ça, l'aspect smartphone, on a encore le côté téléphone dans l'affaire. Mais au final, on s'en fout du téléphone. Par contre, le truc aussi où je me pose toujours la question, et même dans les séries actuelles, hein, les trucs de science-fiction, où ils ont des projections holographiques. C'est hop, ils veulent afficher un truc sur un écran, une carte spatiale, je sais pas quoi, pouf, t'as la projection holographique devant toi. Mais tu vois tout au travers. C'est pas hyper pratique, en fait. Je sais pas, ça vient d'où, ce délire. On l'utilise peu de nos jours, ouais. Ah ouais. Quand j'y pense, le smartphone, je téléphone quasiment jamais avec. Si je veux téléphoner, je pète Skype sur mon PC. Au moins, ça coûte moins cher, voire c'est gratuit. Rule of cool. Ouais, je crois que c'est ça, en fait. La rule of cool, mais... Et c'est quoi? C'est Google Glass. Ça a pas duré longtemps, hein. Je crois que ça existe encore, mais... niveau info privé, le graphique des films, je suis tout nul, ouais. Comment? C'est surtout quand il y a des gens qui savent lire en miroir comme moi. Ça, ouais, c'est tout à fait confidentiel, ouais, ouais. Y a pas de souci, quoi. Pas de souci. Ou à l'envers. Même si en réalité, ça serait peu pratique, un holo, peut-être juste pour la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est Mélenchon, les hologrammes. Mais la réalité augmentée, ils ont fait ça dans la nouvelle édition de Shadowrun. Et où en fait, là, ça apparaît vraiment, genre des publicités et tout, qui apparaissent par le biais de la connexion neurale. Donc, pas sur un écran de smartphone ou autre chose, mais vraiment, genre, sur votre display, en fait, oculaire. Et c'est comme dans Minority Report. Ah, je sais plus, je l'ai vu il y a très longtemps, Minority Report, genre quand il est sorti, donc ça doit faire quoi, 20 ans aussi ? Coucou Fantasy, comment ça va par chez toi? Oh, mais il y a tout le monde ce soir, c'est cool. C'est... le film du moins, ouais. Oui, parce que oui, dans le livre, chacun peut quelque part s'imaginer ce qu'il veut à partir des descriptions. Oh, je me souviens plus. Mais il me semble que j'avais bien aimé le film. Il y en avait un autre inspiré d'un truc de Philip K. Dick, Payback. Je crois que c'était où le mec qui voyageait dans le temps, il y avait une histoire avec un ticket de loterie. Mais ça, c'est des trucs que j'ai vus dans les années, ouais, 2005, voire avant. Salut, Choco Pirate. Hey, un de plus sur le stream. Bonsoir à toi et j'espère que ça va bien. Oh, je demande à tout le monde comment ça va. Mais... parce que moi, je suis pas comme ces youtubeurs qui disent pas bonjour aux gens. Ouais, c'est un petit peu un mime, là, sur YouTube. C'est... les gens qui sont là dans les commentaires, ouais d'abord, espèce de grosse dégueulasse, tu dis pas bonjour aux gens, et puis toi t'as juste envie de faire, mais dans ton commentaire tu me dis pas bonjour non plus. Hein. Ouais ouais, ça va, je suis de bonne humeur aujourd'hui, ça change. Enfin pour un jour de boulot, être de bonne humeur ça change, donc c'est cool. Excellent, excellent. Ah non mais, je disais en début de stream, j'essaye de... J'ai eu l'occasion de discuter avec une collègue, enfin que je connais pas, mais d'une autre partie de la boîte. Et on a un projet qui pourrait se recouper, donc on pourrait appuyer ça par rapport au management senior. Et du coup, ça m'excite bien, quoi. Ya Gigi, bonsoir à toi. Rebienvenue ici, je crois que t'étais déjà venu précédemment. Donc bah, rebonsoir. Rebienvenue, tout ça. Je sais que ça doit être il y a pas très très longtemps. Bah pareil, j'espère que... tout à fait, ouais, bah ouais. Ouais, j'arrive à me souvenir des noms, on n'est pas encore trop nombreux, donc ça va. Bah j'espère que pareil pour les autres, que t'as passé une bonne journée. Tu m'as pas dit bonjour mais bonsoir. Ok, je sors. Ah ouais. Ouais, c'est vrai, j'ai dit bonsoir, c'est horrible. Bah en même temps, il fait à moitié nuit. Donc bonsoir, ça peut tenir. C'est vrai, ça bonsoir, c'est à partir de quand? C'est à partir de 18h? C'est avant? C'est après? Marqué en hiver, c'est à partir de 15h, il fait nuit. Ça va, je chill un peu, puis je retourne tryhard sur Hades. Ah, toi aussi. Moi, j'essaye le 100%... bah, pour faire tout à 100%, et je me rends compte que les bienfaits légendaires... oulala, j'ai pas grand-chose. Tu fais crépusculaire. Ouais, c'est ça. À partir de l'apéro... ah, mais l'apéro, quelque part, c'est tout le temps, non?
Ouais, mais Hadès, je commence doucement à me rapprocher de la deuxième fin du jeu, mais il y a encore plein de choses que j'ai pas fini. Ouais, 10h du matin, pour certains, c'est même avant. Hein. Moi, je voyais des gens, je partais au boulot en Écosse à 7h30, il y en a, ils étaient déjà bourrés. Hein. Ou peut-être qu'ils étaient encore bourrés de la veille, ah, je sais pas. Maintenant que j'y pense, même temps, c'est l'Écosse. Il faut s'étonner de rien en Écosse. Mais vraiment de rien. Et la moitié des magasins, en fait, quand vous regardez les enseignes, vous vous dites « Ah, mais en fait, c'est un jeu de mots pourri. Ah. Ce soir, c'est Cocovin au menu. Ouh. Ouh. Alors, moi, j'ai eu faim toute la journée. J'ai trouvé rien de mieux à faire tout à l'heure que de me faire un repas bien lourd, hein, bien calbien, du genre des haricots avec des champignons. Et après, je me demande pourquoi je cherche la merde. Mais ouais, le Cocovin, je valide. Scooby valide aussi le Cocovin, c'est nécessaire. Y a pas le choix. Sinon, je le déshérite. Mais ouais. Ouais, du coup, alors je me tâte, Hadès, ce soir, est-ce que j'essaye, je ressors mon PDF là, et j'essaye de choisir les bienfaits pour débloquer les bienfaits légendaires que j'ai pas encore? Ou bien est-ce que je continue de tryhard de Hadès V2, quoi? Jamais goûté, ça va être une première. Ouh, ah ben. Ah, c'est presque l'occasion de sortir une prédiction. Le cocovin de Dan va-t-il être mangeable? On enchaîne les resets en température 50, mais ça devrait finir par marcher. Température 50, c'est faisable? Je croyais que 32, c'était le maximum. Remarquez, en même temps, moi, je suis à température 10. Hein, parce que... C'est vrai qu'on m'a suggéré l'idée d'essayer température max tout de suite, et puis tant pis si je me croûte, mais... Pourquoi pas un Mordrake en multi ce soir? Mordrake en multi, mais non! Ah, la loose, la loose! Mais en vrai, j'ai regardé l'autre We Were Here. Et j'ai l'impression, donc We Were Here, hein, le jeu de base, le gratuit, pas We Were Here Together. Et j'ai l'impression qu'on peut quand même le jouer online, donc je ferai un test en off. Mais si c'est faisable, je pense qu'avec Kevlasco, on se replanifiera une séance comme ça, quoi. Ah ouais, non, mais Morcred, vendredi, c'était la loose, quoi. On était bien hype, on était bien chaud pour le jeu. Et... Ouais, l'impression, je sais... En fait, c'est juste que j'ai lancé le jeu et j'ai vu que je peux ouvrir une partie et inviter un ami sur Steam. Donc j'estime que si je peux inviter un ami, c'est que c'est online. 32, c'est la dernière statue de Thaddeus Kelly après Squelette Boyo a pas pensé à créer d'autres statues. D'accord, ok, mais on peut monter plus. D'accord. Bah déjà, si j'arrive à 32, ce sera bien parce que pour l'instant... We were here online, j'ai vu deux gros streamers y jouer. Bah ouais, parce que en fait... Je regardais, c'était samedi, il y avait Magla et bah, qui faisait du We Were Here Together avec Jill. Mais on m'a dit, ah non mais c'est Together, c'est encore un autre jeu et lui il est payant. Et effectivement il est payant. Mais je crois que celui de base on peut le faire quand même à deux quoi. Donc en degré max 63. Ouh. Critique pas le physique des streamers. De gros streamers. Ouais, moi je suis un streamer semi-gros. J'ai juste un petit peu de petites bouées, mais ça va. En vrai, ça va. Ou 5 ans, ou 64, selon si on est en normal save ou hell mode. Ah ouais, alors moi je suis en normal. J'ai pas voulu essayer le god mode parce que je me suis dit, je sais que je suis pas très douée sur ce genre de jeu, mais quand même. Mais le Hell Mode, t'es dit non, peut-être pas. Peut-être pas non plus, quoi. Oh là là, et je suis déjà fière de moi quand je suis arrivée à 10. Je note pour les prochaines fois. Les anses d'amour, comme dit GLaDOS, j'invente rien. Ah, je m'en souviens plus de celui-là. Ou alors c'est dans... Moi, j'ai que fait le premier portal, donc... Bah ouais, c'est ça, les anses d'amour. Tu peux agripper et faire un trou dedans, en fait. Bon, bah après... On va dire que ça tient un petit peu chaud l'hiver. Spoiler, c'est pas vrai. Ah, c'est dans le 2, ouais, c'est pour ça. Faut que j'y joue au 2. Faut que j'y joue. J'ai fini le premier, mais... Enfin, j'ai pas fait tous les achievements, mais bon, on s'en fout. Même si, en vrai, j'aime bien avoir tous les achievements, mais des fois... Tous les monstres d'Hadès sont passés par 10 aussi, pas d'affolement. Ouais, moi, c'est juste que je progresse, mais pas vite. Genre, je suis arrivée à finir une run en température 10, mais au bout de 150 heures de jeu, quoi. Ah, belle enfoirée, que tes anses sont belles. Ouah, pourquoi pas. Les dialogues sont incroyables. Ah, dans Portal 2, ouais, mais... Mais vous savez, franchement, des fois, quand j'ai certains clients au téléphone, j'ai envie de passer en mode GLaDOS. Hein. Ou GLaDOS, j'ai jamais su comment on disait.
mais... Parce qu'il y en a des fois... J'aurais bien envie aussi de leur dire « The cake is a lie. Il n'y a pas de gâteau. Vous allez tous mourir. » Mais bon, je pense que je me ferais virer si je faisais ça, donc je vais pas le faire. Ah mais les clients en ce moment, je sais pas ce qu'ils ont. Ils ont bouffé des chiantos et du codritos, mais... Attends, on se prend des questions dans les tickets, mais pouh. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Mais surtout la température sous la couette pour réconcilier tout le monde. Ouais, c'est ça, alors. Léger, Thanatos, tout ça. Avec qui j'ai pas encore couché? Skelly, mais je suis pas sûre d'avoir envie. Marquez, il doit être bien dur. Alors, retard ma musique, hein. Enfin, mon petit son. Faut que je répare mon stream deck du pauvre. J'ai un truc qui marche pas, là. Team Bouillotte. Team Bouillotte. Bouillotte, en vrai, ça fait des années que j'en ai plus utilisé. Bah, depuis que j'ai quitté l'Écosse, bizarrement. Tiens. Étrange. On a des hivers où il fait froid, mais au moins, il n'y a pas de courant d'air dans les murs, donc... Et j'ai pas une ancienne cheminée dans ma piole qui fait courant d'air. Ça aide. Ça mérite un point plouc, ça oui, je suis entièrement d'accord. Je me les accorde moi-même, il n'y a pas de souci. Des packs de froid dans mon lit. Ça s'appelle pas copine à les pieds froids, c'est ça. En vrai, il paraît que ouais, souvent les filles, on a les pieds froids. Coucou Azaïla, comment ça va? On n'a rien dit. Ah voilà. Quand on parle du diable, tout ça. Attendez, je pensais récupérer ma manette pour tout à l'heure. Elle est coincée. Elle est coincée sous le câble. Sous le cacable. Ah! Il est où mon OBS? Ah, ça va. T'as les pieds froids, ouais. Tu vois, j'ai cru que j'avais accidentellement coupé OBS, en fait. Non, j'ai juste minimisé. Ouf! Je suis boulet, mais pas à ce point. J'ai encore fait des nœuds. Attendez. Je vais juste dénouer la manette qui s'est prise dans... Plein de câbles. Voilà, ça devrait aller comme ça. C'est un petit peu mieux. Range les bières au pied du lit sous la couette, du coup. Ah, mais c'est peut-être pour ça que c'est froid. Les canettes de bière, on a dit au frigo, pas dans le lit. Hein. Attention. Ouais, bah du coup, je sais pas, vous voulez que je réessaye Hades V2? Donc du coup, je reste en température 10 et je fais que ça. Je sais pas encore au canon ou à autre chose, je sais pas. Mais un truc où j'ai un aspect maxé en tout cas. Ah, je vais déjà le lancer, ça m'aidera peut-être à me décider. Il est où? Ah, il est là. Je commence à avoir trop d'icônes de jeu sur mon bureau là. Peut-être que je les vire à l'occasion. Qu'est-ce qui te ferait plaisir à toi? Ben les deux en fait. J'ai envie de réessayer et j'ai aussi envie de viser les bienfaits légendaires. Je peux peut-être faire les deux. Hades V2, on peut s'en passer longtemps côté grimpe de température. Bah en fait, il y a Gigi, moi ce que j'ai fait, je me suis dit, je le tente à température 10 parce que comme ça, j'ai pile la bonne température en ne prenant que les mesures d'urgence. Et ça m'évite d'accumuler du reste à côté et pour m'entraîner, c'est pas plus mal quoi. Sinon, il y a aussi d'autres succès à valider. Go les deux. Ouais, c'est juste que du coup, go les deux, ce sera peut-être pas forcément... optimiser niveau des bienfaits. Mais effectivement, je peux tenter les deux. C'est pas un souci. Je vais lancer le jeu, du coup. Alors. Je croyais l'avoir lancé, mais visiblement non. Pretzel Rock, il est où? Marf. Ah, il est là. J'ai trop d'icônes. J'ai plus quoi en faire. Parce que je regardais pour le bienfait de Déméter. Je sais que... Enfin, le bienfait. C'est même pas garanti que je les ai. Mais disons, il y a plus de chance apparemment si je prends certaines combinaisons de bienfaits. Mais attendez. Je vais déjà me mettre en scène live. Ah, du coup, ça me gêne le micro, mais... Bah, tant pis. On va dire que c'est pas grave. Ouais, donc je regardais juste par rapport à Mamie... comment ça s'appelait son truc? Enfin, je dis, voilà, c'était quoi, récolte d'hiver, hein? Un truc comme ça? Parce qu'en plus, j'ai le truc en anglais, donc moi, faut que je fasse, comme j'ai le jeu en français, faut que je fasse la traduction entre les deux à chaque fois. Frost Strike, Arctic Blast, Killing Freeze. Ouais. Écoutez, je vais essayer celui-là.
pourquoi pas. Parce que je ne l'ai pas encore, hein, donc... Du coup, est-ce que je repars au gun? J'aime bien le gun, en fait. Même si j'ai la promo obsidienne là-dessus. Encore une fois, la lance de Guan Yu, complètement ignorée, la pauvrette. T'as déjà tenté Lucifer avec Zeus en attaque? J'avais Zeus en technique, en attaque, je sais plus. Le V2 version 2, avec les mesures d'urgence. Pacouche Blues, bien le bonjour, Soyaki, Vailish, Hadeslib, coucou, comment ça va? Du coup, je parle en quelle langue? Perso, la lance de Guan Yu pour toujours. Elle est sympa, mais elle est hyper difficile, en fait. Alors, j'ai déjà réussi à faire une run avec, mais c'est pas ma... Peut-être qu'un jour, ça sera mon arme préférée, mais pas pour l'instant. Ah, bah, ça va bien. Bah, cool. Je sais pas, je crois pas que t'étais déjà passé sur le stream, ou alors t'es peut-être passé, mais sans te parler dans le chat. Donc en tout cas, ben, bienvenue. Si je t'ai jamais vu, bienvenue. Si jamais je t'ai déjà vu mais que j'ai oublié ton nom, je suis vraiment très désolée. Parce que parfois, j'essaie de me rappeler de tout le monde, mais c'est pas toujours évident. La plupart des aspects du fusil fonctionnent très bien avec Zeus en attaque de manière générale, sauf Estia. Je suis d'accord, mais la technique a une portée de fou. Ah ouais. Oui, on est d'accord. Estia, c'était quoi de nouveau? Hexagriff. Ah ouais. Absolument pas, je viens du Discord de Yunat, mais pas de pression. Vu que je suis à fond dans Hades en ce moment, j'admire. Ah bah tant mieux, parce que moi je suis à fond dans Hades depuis genre novembre. Donc pour quelqu'un qui n'aime pas les roguelikes à la base, j'ai trouvé ça assez surprenant. En vrai, le truc, ouais, si je fais le canon, je vais vouloir utiliser Zeus. Donc je pense que je vais peut-être prendre le glaive et je vais essayer d'avoir le bienfait de Déméter. Et puis du coup, je ferai Déméter Athéna au niveau de la combo. Ouais. Ouais, bah écoute, en tout cas, Pacouche Blues, assieds-toi, installe-toi, pas de soucis. Bah, tu peux manger ton dîner devant Hadès si tu veux. Estia, divinité de quoi déjà? Du foyer, il me semble, non? Estia. Mais des fois, je confonds avec Hera, parce que Hera aussi, c'est pas la divinité du foyer, mais de la maison ou un truc comme ça. Le canon, c'est pas Aphrodite, ouais, je sais, c'est... Non, Aphrodite, c'est le fist! C'est le fist. Enfin, sous l'aspect caché, évidemment. Ouais, c'est ça, foyer, ok. Mais alors, Hera, c'est quoi? C'est la déesse du mariage, non? De la famille? Purée. Mais je suis nulle, c'est horrible, quoi. Il faut que je connaissais tous ces trucs. Estia, foyer, Hera, mariage, il me semble. Ouais, il me semble que c'est un truc comme ça. D'ailleurs, question, j'ai beaucoup de mal avec les armes à distance. Le rythme de jeu est tellement différent. Je suis un peu arythmique à chaque fois. Ben, écoute, visée automatique ou non... Il y a une visée automatique dans Hades? Moi, je ne sais pas viser, donc s'il y a une visée automatique, elle marche pas très bien. J'avoue. De rien. Je sais pas du tout. Bon, bah écoutez, je vais essayer avec ça, hein, mesure d'urgence. Je pense que je m'évaderai pas, mais c'est pas grave. Ouais. Après, en vrai, moi, les armes à distance, j'ai encore du mal avec l'arc. Le canon, j'avais du mal au début. Et puis... Je viens de backseat ou non? Il y a une visée auto, un truc à cocher dans les commandes. Bon, attendez, je vais juste regarder. Je sais pas si je l'ai. Offrande en codex, non, c'est pas ça. Aide à la visée. Ah ben si, je l'ai, en fait. D'accord. Bah, je l'ai depuis le début. Non, t'as pas de... c'est pas du spoil ou autre chose, en fait, je l'ai. Mais même avec la visée... Donc preuve que je ne sais pas viser, parce que même avec la visée automatique, je rate mon coup. Donc perso, je vais continuer à l'utiliser, parce que sinon, je sais pas ce que ça va donner. Mon avis, ça va pas être beau. Non, mais là si tu veux, un peu de backseat, j'ai pas de problème avec. Si quelqu'un dit un truc de temps en temps. Là où je vais commencer à mettre le holà, c'est si quelqu'un commence à me diriger du style « Ouais, fais ceci, fais cela, là il faut que t'ailles ici, là il faut que t'ailles là, etc. etc. » Mais vraiment tout le temps, quoi. Là, c'est... Non. Fais les 10 premières températures sans vis automatique, j'ai senti ma douleur. Ah bah c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça, ouais. Avec les armes à distance. Bah je sais pas, essaye avec la visée auto, du coup.
Alors, qu'est-ce que... Élan du Mistral, technique givrée, frappe givrée. La technique givrée, c'est pas... je sais pas laquelle c'est. Frost Strike, ça doit être la frappe. Mistral Dash, ça doit être bah, l'élan. Frost Flourish, est-ce que c'est la technique? Les à droite, à gauche, la roulade, c'est horrible, ouais, c'est ça. Le backseat qui passe à chaque fois, vas-y, défonce-les. Oui, bah oui, ça va, quoi. Attendez, je vais juste quand même faire ça vérifier. Le Frost Flourish, si c'est la technique ou pas. J'ai l'impression que oui. Ah non. Le special. Si, c'est ça. Special, c'est la technique, non? Purée, je sais pas du tout. Ah! Bah écoutez, ça désigne tout le temps la tech. D'accord, ok. Je n'ai jamais joué au jeu en anglais. Donc du coup, ok, donc Flourish, c'est tout le temps la tech. Ok, super. C'est du... Bah ok, bah je vais prendre ça. Hein. Coucou Zulzi! Eh bien, comment ça va chez toi aussi? Moi ça va, c'est cool. Tiens, bah justement, j'ai pensé à toi un peu plus tôt dans la journée où je me suis dit, faut que je refasse du GeoGuessr. Bah quoi, toi? Ah oui, non, c'est vrai que... Pourquoi je pensais que j'avais la lance? On en a parlé tout à l'heure. Spécial égal tech. Ok, super. C'est vrai que j'étais à peu près 90% sûr du truc, mais... bah écoutez, on va aller voir KO, hein. J'ai pas encore fini mon lien avec lui, donc peut-être le finir. Ça en est où d'Hades V2? Bah ça en est qu'après 3 essais, il continue de me poutrer. Mais... je me suis posé la question de est-ce que c'est la peine d'essayer de buter le mini-boss cristal là qui se téléporte tout le temps? Parce que au final, une fois que je mets Hades au bas de à la fin de la première phase, les ennemis qu'il a invoqués disparaissent. Donc je devrais peut-être essayer de l'ignorer. On va lui offrir un truc avant d'oublier. Ça porte à réflexion. Après, encore une fois, j'aime beaucoup Hades, mais je suis pas douée. C'est-à-dire que je progresse, mais pas très vite. Ça vaudrait peut-être le coup, ouais. Ouais, peut-être. Bah, on va voir. Là, j'ai pris le glaive, ça va changer un petit peu. Donc, on va voir ce que ça donne. Je l'ai jamais tenté au glaive. Pour l'instant, les 3 essais, c'était avec le canon. Ultime offrande. Ouh. Je regrette également d'avoir comparé ce que tu faisais à un acte de vol. Ah, je me souviens pas quand il a dit ça, mais ça devait être il y a 3 mois. Ouais, quand on rencontre le créateur primordial, dans le doute, on lui offre à boire. Bah ouais. Ouais, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne. Donc normalement, là, je suis au max. Yes! J'adore les petits dessins, là. Ça dépend de ton DPS selon la situation. Si Hades peut tomber rapidement, on peut ignorer les invocations, mais si c'est long, il faut buter les sbires. D'accord, d'accord, merci pour le truc. Ouais, effectivement, parce que en même temps, c'est logique, si c'est long, ben... Moi de même, j'ai mis très longtemps à finir une run, et après, il y a eu comme un déblocage. Moi, ça dépend. Ben, l'arc, par exemple, je l'ai pas joué depuis très longtemps. Au facile, 3 semaines, voire 4, je pense. L'arc, j'ai vraiment, vraiment du mal. Et c'est très marrant parce qu'il y a d'autres gens qui sont là. Ouais, non, mais l'arc, c'est hyper facile. Mais l'épée ou le glaive, par contre, ah, c'est trop dur. Et moi, je suis là. Pff, le glaive, c'est cool. Faudrait que je me refasse une run à l'occasion aussi. Ouais, ouais, bah ouais, c'est sympa. Bah, en plus, moi, c'est comme ça que je suis arrivée chez toi, Zulzi. C'était quand tu faisais du Hades, quoi. Donc, comme quoi, Hades fait venir les gens. C'est cool. Ok, qu'est-ce qu'il nous raconte, lui? Ah, qui a créé le chaos? Ah oui, il s'est créé tout seul, en fait. Ouais. Une sorte de changement soudain, comme une conflagration provoquée par une étincelle. Ok, ouais, donc lui, c'est le Big Bang, quoi. Les deux teams classiques sur Hades mêlée versus distance. Mais chez moi, ça change. Au début, je détestais le glaive et j'adorais les points. Et en fait, là, maintenant que je monte en température, sur les mesures d'urgence, par exemple, les points, j'ai plus de mal. Bah, notamment sur l'hydre à cause de la lave. Parce que lava. Comprends, tout le monde est à fond sur l'arc, l'aspect de Chiron notamment, mais j'ai beaucoup de mal aussi. Le corps à corps, j'aime la subtilité. Ouais, moi j'aime bien la subtilité. Je prends le point et je le rebourre dans le fion, quoi.
Oh, Aizela qui tente une run avec le gun Lucifer en parallèle, eh bien go, bonne chance à toi. Bah, l'arc, justement, j'ai l'aspect de Chiron, enfin celui qui est doré, il me semble que c'est celui-là. Je sais plus maintenant. J'ai pas regardé qu'est-ce que je vais prendre. Je vais peut-être prendre celui-là. Très chaud le gun Lucifer, bon courage. J'ai un petit peu de mal encore, j'avoue. Mais en maxé, je commence à voir l'intérêt du truc. Maintenant, faut juste que j'apprenne à le maîtriser. Mais effectivement, il est assez sympa. En haute température, quand tu joues mêlée, c'est insupportable de courir après le chariot de Thésée. Oh putain. J'avais oublié ce détail, oui. Oui, bon point. Non mais Thésée, c'est... Mais c'est très marrant parce que... Tout le monde qui me disait, ouais, Thésée, limite, c'est plus dur que Hadès et tout. Mais alors, en mesure d'urgence, par contre, non, Thésée, je l'ai rincé. Hein. Oh, premier coup, facile. Deuxième coup, pas de problème. Alors que Hadès, mesure d'urgence, voilà, il est un peu plus dur. Écoutez, je vais essayer torture favorable, vu que je vise également les bienfaits légendaires. Faut juste que j'évite de me faire toucher. Hein. N'est-ce pas? Pourvu que vous atteigniez pas Astérion et Thésée en même temps, je pourrais pas être dans les deux tribunes. T'inquiète, le temps que je discute avec le stream, ça ira vite. Ah oui, c'est le glaive que je joue, moi. Ah, je sais plus ce que je joue, on n'arrête pas de parler du canon, et du coup, j'étais persuadée d'avoir le canon. Ah, je vais récupérer mon lancer, même s'il est pas terrible. Voilà. C'est vrai que j'avoue, comme je joue en... Ça se fait au calme, ça, de pas se faire toucher, non? Ça dépend. Ça dépend. Le truc, en fait, moi, Hadès, au final, j'ai à 99%, je n'y joue qu'en stream. Donc, en fait, je suis pas à 100% concentrée sur le jeu, forcément. Au calme, c'est pas le jeudi chez Crystal. Oui, c'est vrai. Ah bah tiens, je me dis, je pourrais bien vous montrer ma tasse le 25 mars parce que je passe dans l'émission de Crystal, justement. Ça, vous verrez vraiment le vert, j'aurai pas le fond vert à ce moment-là. Il faut encore que je mette, que je décore un petit peu derrière moi. Tes EV2 Force Shot, j'ai commencé à mourir dessus que quand j'ai commencé à vouloir optimiser mon build et que je me retrouvais avec peu de DPS et peu d'esquive. À peu près pareil. À peu près pareil. Mais en vrai, pour l'instant, j'ai peut-être dû perdre une fois contre Thésée version 2 et gagner 9 ou un truc comme ça. Mais revenez ici, les petits crânes. Non mais, espèce de vilain. Ah! Ah bah non. J'étais en train de me dire un fist et en fait, non. C'est vrai que j'ai du Déméter sur la tech. Ok, ça c'est fait. Est-ce que j'ai oublié une jarre? Ma spécialité, c'est de sortir de la salle et au moment où je sors, je fais « Non, la jarre pleine de pognon, non !» Combien de runs, par curiosité? Quelque chose comme 130, j'imagine. Un truc comme ça. Bah, j'ai dit que je progresse pas vite. Hein, là. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, tu bats Hadès pour la première fois entre 20 et 30 runs. » Moi, c'était à la cinquantaine. Mais bon, l'un dans l'autre, étant donné que c'est un type de jeu à la base, j'aime pas les roguelikes et je n'en joue jamais, je me dis, c'est quand même une preuve de ce que ce jeu est vraiment bien. Et je m'accroche. Du coup, ça m'a donné envie d'en essayer d'autres. J'ai peut-être essayé Dead Cells et ben, Isaac. À l'occasion, faut que j'essaye Isaac. J'ai aussi Crypt of the Necrodancer, mais j'ai vraiment envie de le faire au tapis de danse. Le problème, c'est que je vais tenir 5 minutes et après, je vais crever. C'est pas pour flex ou quoi, j'ai battu Hadès aussi vers les 50 runs juste pour savoir où tu en étais. Bon ça va, je suis pas la seule, ça me rassure. Ça me rassure. Non, en vrai, je vais pas aller chez Caron avec 27 pièces. C'est un peu nul. C'est un peu nul, quoi. Allez, tiens, bouffe mon lancer. Puis rends-le-moi, tant qu'à faire. Ah oui, j'ai dit qu'il faut pas que je me fasse toucher. Hein. En même temps, c'est pas Ireb, mais bon. Comme je sais... Ah, ah, ah. Voilà.
Est-ce que c'est moi ou chaque fois que j'ai des bienfaits de Déméter, j'ai l'impression que mon perso glisse? Quand je cours, j'ai l'impression comme d'être sur de la glace. C'est peut-être juste dans ma tête. Mais c'est assez marrant. Non, il n'y a rien à ramasser. Ok. Et j'ai toujours pas commandé de nouvelles manettes. Faudrait que je le fasse à l'occasion. Parce que celle-là, elle commence à... Ah! Tu restes celui-là au cac. Il saoule. Mais sérieux là? Ah, j'ai quand même pris des dommages, bon c'est pas grave. Ah dis donc, j'ai aussi l'impression que tu patines. Ouais ok, alors c'est peut-être pas juste moi. Et comme c'est pas systématiquement, mais d'un autre côté je prends beaucoup de Déméter. Frappe givrée, écoutez, hein, rayon cristallin, c'est si gentiment offert. En plus en héroïque. Ah! Vous avez entendu ce petit bruit? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit le chat? On dit poisson. Come to me, fishies. Allez, venez à moi les petits poissons. Oh bah dis donc, c'est rapide. Alors que quand je pêche à Elysium, j'en ai pour 50 ans. En vrai, maintenant ça va, je commence à faire un peu plus attention. Mais le temps qu'il m'a fallu pour percuter l'espèce de petit son de clochette, là, le ding quand il y a les poissons. Youpi de la pêche requin. Non, les requins, c'était à Sea of Thieves. J'ai fait du Sea of Thieves pendant ma pause déjeuner. J'étais en train de faire ma petite mission pépouze et je suis tombée sur le Kraken, j'ai fait ok. Bon bah pause déjeuner est finie. C'était un petit peu, on va dire, anticlimatique. Bon, il va bouffer le lancer, hein, tant qu'à faire. Voilà. Alors, par contre, du coup... Tomber sur le Kraken toute seule, c'est compliqué. Bah ouais, le pire, c'est que j'ai survécu. Mais il m'a coulé mon bateau, j'étais paumée au milieu de la pampa, enfin de l'océan. Donc, je me suis noyée, quoi. Ah, il est très sympa, Azriel. Hein. Le lancer de Déméter, franchement, mes préférés, c'est Déméter, Zeus et Athéna aussi. Parce que Athéna, avec les effets de renvoi, c'est pas dégueu, quoi. Je regardais juste s'il n'y avait pas une jarre, mais je crois que non. Mais bon sang, mais qu'est-ce que j'adore ce jeu, quoi. Je me suis dit, à l'occasion, je fais un petit giveaway à Death. Hein. Enfin, si vous l'avez pas déjà tous. Parce que j'ai l'impression que... Presque tout le monde dans le chat, là, quoi. Ah, non, ça va, c'était pas trop tôt. Ah, ah, ah. Voilà. Normalement, là, maintenant, le truc de chaos, c'est fini, hein. Tortue favorable, ouais. Ah, c'est pour ça que je me prends des machins. Il faut l'améliorer quand même un peu, se lancer, sinon il est un peu lent. Ouais, ouais. Mais bon, ça vient selon ce que tu trouves comme bien fait, quoi. Avec, comment ça s'appelle, regard glace, toucher glacial, je sais plus ce que c'est. Il y en a un qui est vachement sympa. Bah alors. Voilà, toi tu vas t'amuser. Toi aussi. Ah! Zut! J'ai zappé celui-là. Mais... Qu'est-ce que je fais là dans le coin? Ah là là, bon, je fais pas gaffe. Alors, comment ça va? Merci pour ton follow. Coucou Elfic, bah je te renvoie la question, comment ça va chez toi? J'espère que t'as passé une bonne journée. Moi c'est cool, ça va, c'est mon petit soir à Death, c'est tranquillou. Il a rencontré le Kraken et comme c'est Nawel, s'est dit je me le tente en mesure d'urgence, c'est un peu ça en fait. C'était... peut-être le tenter avec ma petite épée, dans les tentacules quoi. J'ai une question, Hollow Knight ça compte pas vraiment comme un roguelike? Je demande parce que je suis mort un paquet de fois. Je sais pas. Moi j'aurais plus mis dans les Metroidvania, mais après je suis pas non plus très calée sur les genres de jeux auxquels je joue pas, donc... Ah bah c'est un Metroidvania, ok, donc je suis pas complètement à côté de la plaque.
Azriel Ascombis, d'accord, ouais. Je l'ai dit, j'ai même pas lu ce que vous aviez dit encore. Hein. Ah, t'as fait un bon petit stream. Oh, bah, tant mieux, tant mieux. Faudrait que je passe à l'occasion parce que j'ai follow, mais j'ai pas encore eu l'occasion de venir. Forcément. Mais... Alors, le seul truc pour lequel je vais peut-être pas passer ou pas longtemps, c'est pour tout ce qui est le foot, parce que franchement, les jeux de sport, ça m'intéresse pas du tout. Mais ça empêche pas de passer faire un coucou au moins, quoi. Bah, je verrai les prochaines fois où tu streams quand j'ai les notifications, donc ça devrait aller. Non, mais si je balance le lancer et puis que je reste derrière, en vrai, je suis un peu conne aussi, hein. Hollow Knight, j'ai commencé, mais j'ai pas... Pour l'instant, j'ai sauté dans le premier puits et j'ai trouvé le mec qui fait les cartes. Et sa femme, elle a ouvert le magasin. Donc je suis vraiment, vraiment pas très avancée. Mais je sais pas. Je suis pas visée, moi. Alors que je vais aller... Faut que j'arrête de ratcher sans faire gaffe au jeu. Hein. Enfin, je peux ratcher, mais faudrait que je fasse attention au jeu. Voilà. Et elle est où la dernière? Elle est là. Voilà. T'as fini pour la semaine? Pour le foot? Ok, d'accord. Ok. Faut que je regarde ton planning aussi d'ailleurs. Les roguelites s'appellent surtout la génération procédurale de salles avec des objets pour améliorer ton perso, souvent des boss à la fin d'une zone, donc Dead Cells, Binding of Isaac, Hades. Ouais. Ça va devenir de plus en plus rigolo Hollow Knight. Ok. Faut juste que je continue. Bah voilà. On parlait d'améliorer le lancer, à défaut de rapidité, on va déjà faire ça. Et un petit corps de centaure. Parce que pour l'instant, j'en ai trouvé que deux, hein. J'ai pas beaucoup de points de vie. Dit-elle, 200 points de vie alors qu'elle a même pas sorti du tartare. Bon. Vous allez vous casser parce que vous êtes moche et je vous aime pas. Voilà. Et hop. Qu'est-ce que... Oh, il y a encore un puits de chaos. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais peut-être prendre un œil de lamia, tiens. Et non pas un œil de lama. En même temps, j'arrive chez Caron, il aura peut-être un sandwich, mais... Bref. Ah bah ouais, il a un sandwich. Bon. C'est pas grave, car il a aussi du... Non, je peux pas! Merde, j'aurais pas dû prendre le truc. Bah tant pis pour ma gaule. Hein. Y a pas une jarre avec du pognon là, non? Non? Non, y a pas de pognon. Ah, mais c'est tristesse pour 10 PO quoi. Bon, tant pis. Oh, bon appétit, Dan. J'en déduis que le coco vin est prêt. Metroidvania va souvent appeler à une exploration d'une carte déjà établie qui ne bougera pas, mais dont l'appréhension et le gameplay va évoluer avec les objets ramassés derrière les boss. Donc des jeux dans le style de Hollow Knight, Blasphemous, Ori 1 et 2. Ok. T'abandonnes quelques minutes, un match de compétition à faire. Bah bonne chance pour ton match de compète. Croise les doigts. Et bah moi je vais voir... J'aurais peut-être dû prendre le sandwich. Oh tant pis. Ah bah j'ai droit aux 3. Alecto en primaire, j'aime pas trop, mais bon. Ah ouais, effectivement, elle se fâche, ouais. Voilà, et Omégère, là, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bah, heureusement, avec Laura, ça ralentit un peu ses cochonneries. J'ai pas vu qu'elle a lancé son Beyblade déjà. En même temps, oui, vu qu'elle est à... pas beaucoup en life. C'était qui ça? C'était... Je vois pas qui c'est parce que il y a plein de merdouilles partout. Ah, Tisiphone, quand elle arque des paix, on le sent passer, hein. Bon, malheureusement, Laura ne bloquera pas, c'est dommage. Bon, en vrai, ça devrait passer. Faut juste que je la trouve. Eh
Elle est où? Ah, elle est là. Ah ouais, d'accord, il y en a trois ici. Ok. La belle d'eau chiante. Tisiphone, saison d'Aprout. Mais non, mais c'est ça, sérieux. C'est vu cette fumée? Puis c'est vert, ça a l'air de sentir pas bon, quoi. Non mais ça va, j'ai pas claqué de refus de la mort dessus, donc j'en ai pas déjà un œil de la mienne, donc on va peut-être pas en reprendre. Du coup, je garde Déméter ou je prends Athéna? Parce que j'ai pas la combo de bienfaits qu'il faut pour Déméter. Écoutez, je vais garder Déméter, on va tenter le coup comme ça. Et je prendrai Athéna pour Élysée. Tant pis pour le gland. Le gland, je le prendrai si j'obtiens le duo Déméter Athéna. Qui est un de mes duos favoris parce que c'est une bonne petite, beau petit coussin de sécurité là. Pourquoi je mets Laura ici, moi? Genre, t'as encore rien compris, toi. Si que je peux prendre la pompe. Voilà. Mais... Bâtard, reviens là. Bonsoir, Ganjana. Comment va chez toi ce soir? Laura, c'est une copine à Louis. Non, non, Louis, c'est vendredi soir. En vrai, je sais même pas si on la verra encore Louise dans le jeu, mais... Ah! Les bâtards bleus, là. Pff. Je crois que je me suis pris une bombe. Je sais pas pourquoi. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. Tu peux lâcher Déméter, l'objet ne fonctionne plus, les trinkets des dieux, c'est souvent pour le premier objet croisé. T'as un petit 1 sur le corps gelé. Ah, mince! Je sais pas si ça influe sur les prochains objets de Déméter, je ne pense pas. Je sais pas non plus. Ça va bien, et chez toi le grand breton là. Ouais, ça va, ça va. C'est... Je me fais ma petite, mes petites runs du mardi, je réessaye Hades V2 et j'essaye d'avoir les bienfaits légendaires. C'est pas gagné. Ah, elle est seule ce soir. Vu comme elle est chaude, ça serait pas étonnant. Ouais, si Louise, ça sera dans Asphodel, elle est trop chaude pour ça, quoi. Bah en vrai, j'ai pas des masses de bienfaits, donc on va prendre ça. Donc je suis à quoi, du coup? Ah, les deux en héroïque, c'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu, on va essayer de pas crever bêtement, maintenant. Et un petit marteau, mais j'ai pas encore eu de marteau, quoi. Non mais du coup comme ça je saurais que pour Élysée de toute façon je prends l'objet d'Athéna quoi. Mais... En fait je suis un peu bête hein. Une fois de plus. Mais... Je veux pas de commentaires sur ma capacité à ne pas viser. Juste récupérer mes trucs. Eh, viens là, toi. Viens là. Voilà. Un petit peu mieux comme ça. On fait un petit pont de passage tranquille. Lou. Oh! Sauve mes hémolites. Je déteste les gorgones pour ceux qui le sauraient pas. Je pense que le rayon a dû leur régler leur compte parce que... Ah non, j'ai rien dit. Voilà. C'est quoi ce bruit? Il y avait une espèce de tac-tac-tac bizarre, c'était quoi? Ah, c'était peut-être les... Les pierres des gorgones qui cognaient quelque chose. Pas du tout. Alors, l'âme destructrice, pas mal. Consécration suprême. Ah, bah ça c'est bien ça.
Tiens, plus 45% plus grande. On va prendre celui-là. Même si la lame destructrice est très très bien aussi. Je l'aurai peut-être de nouveau après, on verra. Alors, j'ai quoi? Artemis, bon, on va aller voir ta cousine Artemis. Hein. Si elle me file son soutien, ce sera très sympa. Ah, ça sent la gorgone. D'où ça? Bien joué avec ta cousine. Ah mais non, ça, c'est d'où ça? Ok. Je crois que je l'ai eu, hein. Ouais. Ah! Bâtard. Cette fois, j'avais pas vu son ombre. J'aurais pas dû faire ça. C'est pas grave. Toi qui aimes pas les gorgones, tu servis. Ah ouais, non mais là... Pfff, je suis gâtée, le boss gorgone en plus, quoi. Artemis, je l'ai maxé? Ah non, mais je peux plus rien lui offrir. Bon. Je pense qu'il y a un truc de dialogue que j'ai pas débloqué avec elle. Ah. Frappe mortelle, élan du chasseur ou point de pression. J'ai rien sur la frappe et j'ai rien sur l'élan maintenant que j'y pense. Peut-être prendre la frappe. Quoique. Ouais, allez. Poisson. Fishing time. C'est un peu plus facile de pêcher dans Hades que dans Sea of Thieves quand même. Y a pas à dire. Sea of Thieves, pour l'instant, je casse ma ligne à chaque fois. Je sais pas. Je sais pas trop et j'ai pas encore pigé la technique. En même temps, j'ai essayé 4 fois quoi. Donc, Crustissons. Les derniers cœurs verrouillés sont parfois bien relous à débloquer. Je sais plus comment tu fais pour le déverrouiller celui-là. Je sais plus non plus. Hermès. Kraken, non, c'est pas un Kraken. Hermès aussi, je suis quasiment au bout, mais je me demande s'il faut pas que je gagne son espèce de pari là où je dois battre Caron 2 fois. Kyokushin, coucou! Bonsoir à toi! J'espère que t'as passé une bonne journée! Désolée, je suis un peu hype aujourd'hui. Ah, ça s'appelle des plongeurs, ok. En vrai, il y a je sais pas trop combien de monstres, enfin d'ennemis, je sais pas du tout comment ils s'appellent parce que je fais jamais gaffe. Ah, maintenant que j'ai un truc sur la frappe, c'est un petit peu mieux. Voilà. Oh! Peut-être que je fasse gaffe à ceux-là? Voilà. Récupérer ça. Pas explosé, ça va. C'est repos en ce moment. Si ça, c'est chaud, ouais. Ah, c'est bien d'avoir du repos, c'est toujours cool. Ouais, d'accord. C'est, je veux pas dire que les 3 choix sont tous plus pourris les uns que les autres, mais moi, c'est des boons qu'il me faut là. C'est des petits bienfaits. J'ai rien oublié, non, je crois pas. Bon, bah, je pense que je vais chercher des obsidiennes, hein. Je parle pas trop, je prépare le repas de demain midi. Ah bah oui, parce que... Ah bah non, en fait, ça va. Parce que faut que tu l'emmènes. T'imagines? C'est bien demain, hein, t'avais dit. Donc, bah ouais. Un bon petit repas. Y a pas de soucis. Fais-toi un bon repas. Ouais, ça va poutrer l'hydre dans... Bah, en... genre maintenant, quoi. Ouais, genre maintenant. Ben je vais rien acheter. Ouais, je vais rien acheter, je vais attendre. J'ai rien sur l'élan, mais tant pis, on fera avec. Je suis max vie, j'ai tous mes refus de la mort, j'ai le lancer de Déméter. Oh. Ça devrait passer. Ah, va lui spammer la technique un petit peu. Ah bah, ou pas. Viendez les autres hydres. Ah, il en manque une ici. Marf. Y'a pas ma tête favorite à cet endroit-là. Mais,
Comme elle m'interrompt là pour ma tech. Non mais oh. Allez, toi tu vas aller mourir dans un coin. Voilà. La petite Larnie. Mais... en colère, hein. Faut quand même, que je joue pas trop au con, là. Alors, pour ça, en vrai, Laura, elle est quand même excellente, hein. Oh là là, comme elle est en colère. Je sais pas si j'ai réussi à la caser, mais... yes. Où sont mes hémolites? Ils sont là. On va essayer d'éviter la tête principale. Ah! Enfin, en vrai, c'est raté, mais c'est pas grave. Je suis colère car je suis trahison. Comment ça? Bonjour, je sais pas viser, 3ème édition. Laura qui lâche à ce moment-là la blague. On disait ah, ils sont lents et ah non ils sont plus lents, ils sont rapides. Non mais ça va. Avec l'aspect d'Arthur, franchement l'hydre ça passe quoi. Je me prends pas autant de dégâts qu'avec les points. Référence au carnet de Monsieur Manhattan. Ah d'accord, ouais non du coup j'ai pas eu la référence. Désolé. Ah, j'avais dit que je prenais Athéna cette fois, hein. Ok. Et qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Bon, allez. J'ai suffisamment de pognon pour me le permettre. Même si 300 balles à ce niveau-là, c'est pas... c'est pas terrible. Alors, donc faudra que je me rappelle que je n'ai pas le gland cette fois pour Thésée et compagnie. Hein. Voilà, allez toi tu viens là. Par contre, ouais, alors l'assaut avec ce glaive là, j'ai un peu de mal à le caser. J'ai plus tendance à bourrer à la tech. Explose. Yes. Bon. Flemme. Le char, il a survécu. Ah non, ça va. Je me disais bien. Il doit forcément être crevé, l'autre. Voilà. Ah déjà, ok, cool. Alors, qu'est-ce que tu vas me donner? Frappe divine, élan divin. Bah écoutez, l'élan, justement, c'est parfait. C'est parfait. Et là, j'ai quoi? Hermès et le marteau. On va prendre le marteau. Hein. Allez, Golem. Je déteste les chars follets. Mais vraiment, je déteste ces merdes. Et je sais que je ne suis pas la seule. Mais... ah! Je me disais, il manquait quelqu'un, là. Il manquait un ennemi. Papillon, c'est mort, évidemment. Voilà. Voilà. Ce truc, là! Il lui manquait genre... enfin, il lui restait 3 points de vie.
Ouh. J'ai explosé avec. Ah bah la voilà, la lame destructrice. Ça par contre, maintenant je vais le prendre. Et donc je n'aurai pas la lame maudite. Mais en vrai, c'est pas forcément un mal. Caron pour l'instant, non. Quoique, non. Bon, on va aller chercher de la thune. C'est quoi ce bruit de chat? C'est les chars. C'est les chars qui miaulent. Je ne sais pas pourquoi ils miaulent. Et ils miaulent avant de venir t'exploser dessus comme les gros sales qu'ils sont. C'est pour ça que je les aime pas, parce qu'ils explosent et en plus ils font des mignons bruits de chatons alors que c'est des grosses merdes. Y a pas une sorcière là? Ah! Il m'a surpris, Luz. Ah, il m'a surprise. Des chars, oui, c'est ça. Ouais, c'est pour faire croire qu'ils sont mignons, parce qu'en vrai, ils sont fourbes et vils, exactement. En même temps, les chats, c'est un peu pareil, non? Tellement confort, les dégâts à l'armure, surtout sur Hades V2. Oui, bah les dégâts à l'armure, de façon générale, c'est cool, mais... Mais là, c'est encore mieux. J'ai que 245 PV, on va aller chercher un cœur. Hein. Alors, comment il s'appelle, cela, Spreaders? Allez, jouer avec mon lancer. Le pire, c'est qu'à chaque fois, je me fais genre écraser connement par les chars parce que je me dis, oh, ils sont gros et lents ceux-là, mais en fait, non. Ils peuvent être très rapides quand ils sont comme ça. Il y en avait pas encore un? Ah ouais, il est là. Je me disais bien qu'il était là. Mais ouais, pour cette histoire de bienfaits légendaires, je sais pas du tout, hein. C'est un peu vraiment du coup de dé, quoi. Un chat ne t'explose pas la figure à moins d'un souci. Je vais dire, sauf si tu le mets dans le micro-ondes, mais si tu fais pas, t'es pas censé avoir un chat. Si tu fais ça, t'es pas censé avoir un chat, en fait. Carrément, on les aime, ces petites boules de poils bien fourbes. Alors, en vrai, boule de poils, ça me fait bien rire, parce que moi, si je prends un chat, un jour, ce sera un sphinx. Donc, il aura pas de poils. Puis j'aurais l'impression de caresser de la peau de poulet, sauf que ce sera chaud au lieu d'être froid. Et il sera super câlin parce qu'il aura pas le, il aura pas le choix. S'il est pas câlin, s'il vient pas dans mes bras, il aura froid. C'est bien trop mignon, trop pour être honnête. Pauvre micro-ondes, oh. Ouais, je prends du Dionysos, ouais, allez. J'aurai peut-être un appel ou un truc comme ça. Ah, yes. Ouais, affrontons-nous au calme, là, tranquille. Ah, il m'a quand même touché. Voilà, on va essayer de pas se faire choper. Ah, chevalier d'or du taureau, tout ça. Mais non, viens là. Putain. J'ai essayé de le coincer dans la statue, mais en vrai, je suis vraiment pas douée pour ça. Il fait pas son saut, là. Ouch! Voilà, là faut que je me décare. Ce qui est trop stylé là-dessus, c'est l'effet en fait d'ondulation comme ça, qui est vraiment très bien. Je vais me le prendre à chaque fois. Hein. Je vais pas claquer un refus de la mort sur Astérion quand même. Vraiment naze. Voilà, moi aussi je peux mettre une aura dans la gueule. Ouh ouh ouh. Bon, c'est vrai que là je prends un peu des risques. Ah! Zut.
Quoi, comment ça, pas une égratignure? Mais si. Ça va venir. Si possible, quand même, avant que je meure, ça serait cool. La petite triangulation, là. Dis donc. Il y a des fois, comme ça, il fait son attaque plein de fois, en fait. Je sais pas si je vais arriver à le... Ouais, yes. Ouais, mon joystick de gauche, là, il commence vraiment à faiblir. Hein. C'est pas génial. Par contre, qu'est-ce qu'elle est classe, cette musique, quoi. Combat contre... Dès qu'il y a Astérion, c'est... Yes. Ah, il paraît que c'est super doux, les sphinx. Bah ouais, 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 ouais. Si je ferme les... Là, je rattrape juste, hein. C'est pas un chat, le sphinx. Si, c'est un chat sans poil, c'est tout. Ah, ça a une tête de chat, enfin, vaguement. Alors, si je ferme les légendaires, j'ai peut-être un type, j'imagine que tu l'as déjà, mais je crains le backseat. Bah, en fait, moi, ce que j'ai, c'est une liste des bienfaits à prendre qui te donnent plus de chances d'avoir des légendaires. Mais si t'as... Là, si t'as d'autres types, à la limite, je veux bien, parce que j'en ai, franchement, 150 heures de jeu, et j'ai peut-être chopé 4 légendaires en tout. Ce qui est pas beaucoup, quoi. Chevalier d'or du taureau m'a tué. Non, mais c'est... Mais Azriel, mais c'est ça, quoi. Franchement, je l'ai vu la première fois, j'ai fait, mais... J'aime beaucoup aussi quand lui et Thésée se rendent compte qu'ils doivent ces magnifiques armures à Zagreus. Oui, oui. Ouais, et puis quand t'as Astérion qui fait Thésée encore en train de se préparer pour le combat, et t'arrives, tu vois Thésée avec son masque, son char, et tu fais, ouais, je comprends pourquoi il mettait du temps à se préparer. La ref à Senseiya. Mais je suis une grande fan de Senseiya, j'ai grandi avec ça, donc... Donc forcément... Ah oui, d'accord. Donc ces satyres-là sont pas ses potes. Lui, il doit être pote avec les faunes. On va peut-être prendre l'eau de vie parce qu'il y aura encore des fontaines. Donc... par contre, ouais, là, si je trouvais de quoi me remettre un peu de la life, ce serait pas mal. Ah, Senseiya Asgard, quoi. C'est Asgard et Hades. Mais les bestes. Ah! J'ai pas vu qu'il y ait des archers. Non, te réarme pas. Crotte. Ne vous réarmez pas, merci. Je vais peut-être claquer un refus de la mort, parti comme c'est, malheureusement. Hein. Je sais pas s'il m'a touché, là, j'ai pas fait gaffe. Heureusement que j'ai l'élan quand même. Merci l'élan. Ouais. Ouais, ouais. Ça va être chaud. S'il n'y avait pas d'archer, ça irait encore, mais... faut que j'aille chercher mes hémolites. Voilà. Traîne là-bas, tranquille, au calme. Vous le sentez que j'essaye très fort de pas mourir bêtement? Yes. Viens là. Viens dès là. Ok. Ah, le petit coup dans les fesses. Bâtard. Bon, pas un petit attaque en traître, hein. Yes. Pff, 24 PV, bon, ça va encore. J'ai l'impression qu'il m'en reste pas beaucoup parce que j'ai une barre de vie tellement élevée, mais enfin tellement. Alors, si tu ouvres le codex, tu peux avoir la liste des bienfaits pour chaque dieu et surtout les prérequis pour chaque bienfait, notamment les légendaires et les duos. Ah ben oui, oui, oui. Ben, les légendaires, en fait, c'est ce que j'ai, mais dans un document PDF, quoi. C'est... Ouais, ouais, c'est celle-là. Moisson Iowa, c'est celle-là que... Gel mortel, souffle arctique, volonté vorace. C'est bien, j'en ai aucun. C'est un peu le problème. J'ai pas encore ceux qu'il me fallait pour vraiment déclencher ce truc, quoi.
Tu n'as pas ces prérequis, tu n'auras jamais les légendaires. En ajoutant le bienfait qui facilite les duos, les légendaires, ça se forme pas trop mal, je trouve. Il y a toujours une part de chance, mais ça se manipule. Bah, c'est ce que j'essaye de faire, ouais. C'est ce que j'essaye de faire. Le tir du blizzard, je l'avais pas déjà, celui-là ? Ah non, c'était l'autre que j'avais qui était pas terrible, d'ailleurs. Celui-là, il traîne glacial. Enfin, qui doit être bien, mais dans certains cas, mais dans le temple du Styx, c'était pas excellent, quoi. Faut dire gentiment. Ouais, le codex pendant le choix des bienfaits, du coup, tu as ce rappel qui est très utile, je trouve. Ouais, effectivement, t'as raison. C'est vrai que moi, j'avais regardé ça avant le stream. Enfin, avant, au début, quoi. Mais ouais, malheureusement, je sais pas si je parviendrai à avoir un légendaire de Déméter là-dessus, quoi. Sinon, je réessaye, hein. Je peux avoir une fontaine, s'il vous plaît ? Oh, la chatte. Ah, mais la chatte. Ah, là, c'était beau, quoi. Bah, Hermès, du coup. Hey, Than. Oh, Thanatos. Copain. Mais il fait peur quand il sourit. Arrête de sourire, s'il te plaît. Bon. Du coup, si elles se font buter par le décor, est-ce que ça compte? Ah, zut, j'étais trop loin. Non, ça c'est lui qui l'a eu. En vrai, les sorcières, j'ai quand même plus de chances de me les faire que les autres, mais bon. Voilà. Et les autres, le temps que je les bute, je suis désolée, mais Thanatos les aura butés avant moi. Hein. Je crois que là, c'est moi qui l'ai eu. Hein. Là, je sais pas. Non, là, c'était lui, crotte. Ah, j'ai quand même battu. À 1, mais juste gelé. Il est tellement flippant, la mort qui sourit, cesse par pitié, mais c'est trop ça, quoi. La dernière chose que je peux conseiller, c'est le dé qui reroll les boons au moment du choix. C'est pas mal aussi si tu farmes. Ouais. Ouais. Garde ça pour moi. Oh, tu m'as donné ton cœur. Oh, c'est beau. Merci, Thanatos, c'est très beau. Une certaine Eurydice. Oui, je l'ai rencontrée un peu. Esquive maximale, ouh. Ben, je pense que là, pour Thésée, ça va être cool, hein. Alors. Bah, on va aller là. Thanatos, fais ton boulot et tire la gueule, STP. Oui, mais trop. Mais c'est la façon dont il est dessiné, en fait, c'est bizarre. Il est beaucoup mieux dans sa position habituelle. Je sais pas pourquoi, mais ça sent bon là-dedans. Oh bah écoutez, soutien Dionysos, vu que j'ai pas encore d'appel. Moi je dis ça le fait. Et on va juste remettre un petit peu de life. Voilà. Oui, oui, Caron, je sais. Bon, bah, go. Go, Thésée. Dis-moi, monstre, où as-tu volé cette épée royale que tu brandis là? Ah, je l'ai trouvée, j'ai balancé du sang dessus, et puis elle est devenue comme ça, hein. C'est surtout qu'il pète la classe quand il sourit pas. Dès qu'il sourit pas, on dirait un monsieur de 85 ans qui veut dire kawaii dessiné. Ça fait peur. J'ai usé de mes charmes naturels pour convaincre les moires de me la remettre. On pourrait dire que je suis venue la tester. Plein le malheureux qui mettra la main sur cette maudite chose une fois que tu en auras fini avec ton petit test. Lequel sera très vite terminé, je pense. Ouais, effectivement. Ah ouais, tu commences comme ça, toi. Ah oui, j'ai pas le gland. Il faut que je rappelle que j'ai pas le gland. Eh, mesdames et messieurs, on recommence ce magnifique combat entre le prince Zagreus et ses deux ennemis de l'Elysée, le champion ainsi que le taureau des Minos. Et cette fois, ce n'est pas au canon, mais à l'épée que Zagreus affronte ses adversaires. Mais ça devrait pas lui poser trop de problèmes.
Alors, faut que j'évite de toucher Thésée quand même. Ah, c'est quand même mieux avec le gland, hein, y a pas à dire. Tiens, pour la forme. Peut-être éviter les obus, qu'est-ce que vous en pensez? Allez Astérion, as-tu foncé dans le mur encore une fois? Mais oui! Ah! Voilà. Et contrairement à ce que pense Thésée, si, les applaudissements sont quand même un peu pour nous, enfin surtout ceux du Pandarou dans les tribunes ainsi que de l'ombre rouge. Dont on ne connaît toujours pas le nom, mais ce n'est pas grave. Ah, le ralentissement de... dans l'aura, c'est quand même magique. Ah! Il est quand même rapide, ce con, hein. Astérion, je veux dire. Bah, en même temps, il a un jetpack, donc... Mais... Ouh, faut que je me casse. Faut que je me casse. Peut-être pas le moment de lui caser l'appel ultime, là. Voilà, maintenant je peux. Ou pas. Ou pas, donc... Ça, c'est un peu dommage. J'aurais pas dû être joué sur ce coup-là. Bah, au pire... Au pire, je claquerai un refus de la mort. En vrai, sur ce combat, j'ai l'habitude d'avoir le gland, donc... Voilà. No, Asterios! It was my friend! Ouais, c'est vrai qu'il y a ce truc, faut courir après Thésée, quoi. Ah là là, Thésée, quoi, mais... Large ham extraordinaire. Donc on dit, la connexion est... oula, ouais, alors du coup, j'ai pas du tout regardé ce que me racontait le chat. Bon, bah écoute, Thésée, si tu veux jouer à ça, hein, vas-y. Ou Cassos. Cassos. Le Minotaur lui fait bien la Beyblade, alors bon, oui. Ouais, faudra que je rattrape ce que vous avez dit après, parce que là, le chat est remonté un petit peu trop loin. Eh, ça y est, je vais niquer son char. Mon char, saleté. Ah! Par le pouvoir de l'amour! Et du sesque. Ouh. Ah, j'étais pile là où il fallait. Ou pas. Ah, dommage. Dommage, j'étais pas loin. Mais... Je vais t'achever avec Dionysos, tiens. Dommage, dommage. Ah, on est tous les deux face au même boss, Chubaf. Bah écoute, fais au mieux. Fais au mieux. Thésée a des gatliques sur son char. Wild Eagle screams in distance. Oui, bah c'est Thésée avec les mesures d'urgence. Ouais, il a des gatlings sur son char. On est d'accord. Fait par Dédale, forcément fortement en avant sur son temps. Oui, c'est vrai, ça a été fait par Dédale. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'espèce de masque que porte Thésée, c'est... Dédale l'a fait de façon, on va dire, pour se moquer de lui-même. Pour pas se prendre trop au sérieux. Sauf que Thésée, il se prend super au sérieux avec ce truc, forcément, quoi. Ouais. La connexion est belle, jeans. Quelqu'un qui est habitué à se prendre des coups avec le gland, c'est extrêmement bien géré par contre. Ouais, ouais, ça aurait pu être mieux. C'est... Mais même avec le gland, j'essaye d'esquiver au maximum pour faire durer le gland.
Histoire de pas l'user trop vite, quoi. Bon, voilà, parfait. Je fais quoi? Je prends la dent. Bon, on va peut-être prendre la dent quand même. Quelle gueule de bois. Taisez, c'est un peu lourd, douchebag. Ouais, je vais te l'autoriser parce que bon, c'est pas une insulte envers moi, donc ça va. C'est Automode qui bloque des trucs. De temps en temps, il bloque Rectum et d'autres fois pas. Ouais, donc je disais, est-ce que je prends la dent? Ouais, allez. 295, si je peux monter à 300 points de vie un peu plus, ça pourrait être cool. En fait, sur ce coup-là, si j'ai le duo Athéna-Déméter, je prends pas là-dedans. Douchebag, ouais, parce que c'est bloqué par le truc de modération de Twitch, mais je peux l'autoriser temporairement, quoi. Après, je l'autorise pas de façon permanente, parce que tu sais jamais. C'est... Ouais, mais là, si tu veux, je vois bien que c'est pas... Tu l'as pas écrit pour m'insulter, moi, donc ça va, quoi. C'est... Ah, y a pas de cœur. Somme. Bon. Il y en aura peut-être un ici. Bon, bah, prochaine run, en tout cas, je réessaye avec Déméter parce que je pense pas que j'aurai le légendaire, là. Oula. Peut-être que je fasse gaffe à ce que je fais, moi. Ça pourrait être cool. Voilà. Thésée qui est quand même l'énorme bouffon du jeu pour absolument tout le monde, entre Zagreus, Poséidon, Achille et Dédale, et parfois même Astérius qui lui dit de pas bouder, il n'a aucune crédibilité. Ouais. Ouais, il va falloir gérer les dash, ouais. En moquer de Fratboy Thésée, oui, c'est ça. Bah, contre Hades, je sais pas. Franchement, je sais pas si je vais y arriver, je pense que ça va me prendre plusieurs essais, faut être honnête, quoi. Mais la prochaine run, je réessaye sur Déméter parce que... Enfin, sur Déméter. Ou sur n'importe qui pour avoir le bienfait légendaire, on est d'accord. Mais ceux-là, en vrai, je les déteste. Tous les machins qui font des rayons, quoi. Le ça et le poison. Temple du stick, c'est vraiment... c'est l'horreur. Bon, alors eux, par contre, je les fais uniquement au dash. Hein. Parce que j'ai pas le temps de m'arrêter pour les frapper. C'était quand dimanche, il y avait une des runs, je suis arrivée à ce stade-là et j'étais là. Oh, j'ai pas bien fait sur l'élan. Et c'était l'horreur. Ah, j'ai pas parié. On a pas fait les paris. Bah alors, le piège il est pas... Ah. Le piège il est pas tombé? Mais si, marche le piège. Ah ouais, j'avais mis l'aura, c'est peut-être pour ça. Genre. C'est dégueulasse, il y en a plein partout. Puis après, il va y avoir des cristaux et des satyres. Mais vous avez fini de m'interrompre quand je balance ma tête là? Non, mais. Voilà. Technique de la flamme, hein. Alors, c'est quoi la suite? Encore des rats. Est-ce que j'en ai touché un? Je crois. Je suis pas sûre. Voilà. Je sais, je suis une grosse feignasse. Ouh loulou! Mais non, mais il y en a plein partout! Je sais plus où courir, moi. Bon, bah écoutez, hein. Ah, Laura, elle agit quand même à cette distance sur le truc. Ok. C'est vrai qu'elle a une plus grande portée sur ce coup-là. J'aurai peut-être de la chance, il n'y aura peut-être pas de satire. Yes.
Les rayons, ça peut se cancel tant que ça n'a pas d'armure. Les satyres sont immondes par contre. Ouais, ouais, et puis cette espèce de bruit de molard dégueulasse qu'ils se raclent le fond des poumons là pour te cracher à la figure, c'est... Ce qui est compliqué avec le Styx, je trouve, c'est que tous les timings pour les esquives changent entre les pièges, des rats et les satyres. C'est très chaud de pas se prendre un coup. Ouais. Je vais quand même essayer... À mon avis, c'est mort, mais souffle arctique, volonté morasse, ouais. Volonté vorace. On va quand même prendre celui-là, hein. Au moins c'est un rare. Mais malheureusement, je n'aurai pas... Il n'y a pas de Déméter qui traîne ici, donc n'oublie pas qu'il t'en faut deux. Ouais, justement, et après, il faut encore trouver Déméter une troisième fois. Mais c'est pour ça, pour cette run, c'est mort. Alors, du pognon et Dionysos, je vais aller prendre Dionysos, je vais parier que le sac est là-dedans. Elle rencontre des satyres, ça finit mal. Elle est où la fontaine? Elle est là. Là par contre, c'est cool d'avoir du Athéna parce que tu peux les empoisonner aussi. On va prendre ça. On va prendre ça. Pourquoi je récupère ça en fait? Tu vois, tu paries sur le pognon. Ok. Non mais oh la lame là. Bon, c'est fini le cirque? Hein? Voilà. Feignasse ultime. Comment ça, il y a des paris? The Demon Awakes. Ouais, en fait, chaque fois, on parie sur dans quelle salle j'aurai le sac de satyre pour... Parce que j'en ai besoin pour aller voir Cerber ensuite. Bon, en général, je l'ai toujours dans la deuxième ou la troisième salle. Une fois, je l'ai eu... Non, deux fois, je l'ai eu dans la cinquième. Et là, c'était un peu pénible. Hein. Sur la fin, j'étais là... je vais mourir. D'ailleurs, je suis morte. Eh ben, ce sera déjà pas ici. J'aime pas cette salle. Il y a des Beyblades, il y a du poison. C'est juste ignoble. Ah. J'y suis presque. Non! Ne te jinxe pas, Zagreus! Faut jamais dire ça. Faut jamais dire j'y suis presque. C'est comme quand t'es un personnage secondaire, genre un soldat, tu sors jamais la photo de ta femme et de ton gosse qui t'attendent au pays. Mais jamais quoi. Sinon c'est fini, tu vas mourir. Il manque un rat là. Ouf. Bon, mais c'est déjà ça fait. After party, ouais bon. Engourdissement, attitude positive. Je vais prendre engourdissement vu que j'ai quand même le soutien et. J'ai le soutien. Bah ouais, mais Scooby, c'est ça, c'est clair. Je sais pas si c'est le meilleur à prendre dans ce cas-là, mais bon. Allez, salle du pognon! Je commence toujours par ceux où il n'y a pas les crânes en fait. On se demande pourquoi. Et si c'est pas là-dedans, ben ensuite je prendrai la salle d'Athéna. Allez, petit coup dans les fesses. Le spam de technique, là, histoire de faire joli. Mais sérieux, quoi. Je mets un orteil dans le poison, c'est bon, je suis déjà empoisonné, là. Ah là là. Moi et le poison, c'est pas une grande histoire. Hein. Regardez, ça, c'est ma femme et ses vidigueuses. Il y a mes 5 frères qui sont dans le conflit. Hello, head, meet the bullet. Exactement. C'est exactement ça. Bon. Je suis en train de me dire, j'ai pas eu beaucoup de grenades sur cette run, donc j'ai pas vraiment amélioré mes trucs. On va voir ce que je pourrais acheter avec le pognon. Get dead. Get dead. C'est exactement ça. Ah, il y en a combien de ces merdouilles là? Allez. Voilà. Sac de satyre, sac de satyre. Yes! Chuba est gagné! Ah.
bon, bah au moins j'ai tous mes refus de la mort. Et j'ai moult pognon, ok. Même si techniquement je pourrais avoir plus. Ah, Pacouche, attention! Attention, j'y suis pas encore. J'ai pas entendu le bruit du poisson, hein. Non. On va quand même prendre le Athéna. On part indestructible. Bon. Et on va prendre une grenade. Faut monter un peu le radio. C'est vrai que j'ai quasiment tout au niveau 1 là. Ouais. J'ai pas beaucoup d'espoir, mais. Laisse-moi rêver. Ouais, bon, tu sais, ça peut toujours arriver. Il y a des fois, j'étais partie, il me restait 2 points de vie et je l'ai quand même eu Hades. Hein. Donc, pourquoi pas? Je m'en vais, père, essayer de m'en empêcher. Ouais, parle pas trop vite, mec. Parle pas trop vite. Ouais, parce que pareil, en DPS, c'est pas forcément géant non plus, quoi. C'est... Oh, vous ici! Mais quelle surprise! Ouais, faut que tu t'occupes de tout toi-même. On est d'accord. Ah, oh, ouais, ça commence comme ça, déjà. Ouais, là, faut que je me rappelle qu'il en fait 2, en fait. Mais ton Darkness de mes couilles, là. Putain. Mais sérieux, là, il commence comme ça. Ah, je l'ai raté. Bon. Si c'est comme ça, j'ai buté le crâne. Ah oui, c'était ça, c'est sa lance. Je croyais qu'il allait me lancer un crâne, mais en fait non. Effectivement, les dashs. Comment j'ai réussi à me prendre ça, moi? C'est pas forcément le bon moment, mais... Ah. Ouais. Oh non. Allez, d'où ça? Coucou Elphic, re-bienvenue, ça s'est bien passé? Qu'est-ce qu'il a dit, my pet Gorgon? Merci les Landes Athéna, merci. Contre la gorgone de mes deux là, elle va vite me saouler. Hein. Je parle bien entendu de la grosse, hein, pas de Doussa, parce que Doussa elle est toute mimi. Ah, aïe, ah, je l'ai pas vu venir celui-là. Va rentrer tout de suite, tu vas ranger ta chambre. Non mais. Espèce de sale gosse. Ok, alors ça c'est quoi? Je veux même pas... Oh putain. Ah, la foire à l'empoigne, hein. Vraiment, je cours tout le temps, moi. Bon. Ceci dit, le poison c'est quand même cool à avoir. Il est où, papa? Bon, Cassos. Ouais, ben finalement,
quand j'essayais de buter les cristaux et les autres ennemis, ça allait pas vraiment mieux, donc effectivement, j'essaye de pas trop les buter, ça marchera peut-être. Ou pas. Les mini-boss, tu peux pas perdre, y'a un poisson. Ah, fallait pas me le dire, maintenant ça va me traumatiser. Parce que maintenant je vais être obnubilé par le poisson. Ah, le dawa, quoi. En vrai, je peux l'amener en phase 2, quoi. Enfin, je pense. Si j'arrive à le toucher, voilà. J'ai 2 lives, c'est peut-être faisable. Purée, bon, maintenant, je vais vivre le poisson. Ah! Je suis pas du bon côté. Ah, zut. Ça va être chaud. Si j'essaye de pas me payer tous les machins qui m'attaquent. Ah zut! J'ai pas vu qu'il y en avait encore un qui restait là. Voilà, c'est bien fait l'exploser. Ouf, merci l'élan. Ça c'est chiant par contre, il me renvoie alors que avant il le faisait pas, enfin sur la V1 on va dire. Il fait quoi là? Je veux pas savoir ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il faisait là. Il a fait ça, ok. Quoi? Non! Quoi? Oh non! Oh, ça c'était un coup bas! Parce que c'est comme ça, je vais t'empoisonner, tiens. Bon, en vrai, je vais crever, hein, je me fais pas d'illusions. Mais... Il se régène en pétant les jarres. Ah, d'accord, ok, ouais, j'ai vu qu'il faisait un truc, mais j'ai pas vu ce qu'il faisait, quoi. Bon, ben, tant pis, je l'aurais emmené en phase 2, c'est déjà bien. Même si, quelque part, je sens venir une phase 3, mais passons. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Ouais. Ouais, je poutrais papa. Bah, en vrai, un jour, j'y arriverai. Hein. J'arrive sur la phase 2 tout doucement, donc ça va. Donc, dommage pour la poiscaille. Mitigé, une victoire, une défaite. Ah, dommage, elfique, dommage. Ok, donc, faudra que je me rappelle que je dois péter les pots verts, en fait. Avant qu'il lance son machin. Ouais. Tu es revenu juste à temps pour voir la tête devant Cerber. Mais ouais, mais mon chien, quoi, non! Partir en vrille au moment de la deuxième invoque. Mmh. Bah écoute, Azaïla, j'espère que toi, tu vas le battre, hein, ton Hadès. Je pense pas qu'Hadès soit accessible si tu te reposes en grande partie sur le lancer, pour Hadès V2. Ouais. Après, j'essaye d'utiliser autre chose que le lancer, mais c'est pas évident de l'approcher, quoi. C'est... Allez, je vais voir ce que Thanatos me raconte. Ça fait longtemps que je suis pas redescendu aux enfers.
On parle de qui, nouveau ? Ah ouais, Sisyphe. Hein. Ah oui, c'est vrai que Sisyphe, il avait trompé Thanatos, donc Thanatos, il a le seum. Ouais. Merci de te montrer compréhensif. Ok. Ah, bon. Pas rien se passer ce soir. Ok, merci Achille, merci. Bon, bah j'allais vendre mon poisson. Oh, il y a tout ça. Oh. Elle est toujours sous en fait, hein, toujours speed. Ouais, il va rendre visite à Samus, c'est grâce à moi. J'ai commué sa peine. C'est beau tout ça. Ils ont beaucoup de temps à rattraper, ouais. Bah, ouais. Bah ils chantent ensemble, c'est cool. Oh, you did it! Elle est mignonne. Elle est trop mignonne. Voilà. Allez. Aujourd'hui, c'est sushi aux enfers. Presque réussi la dernière fois, et me dit-elle avec son petit sourire coquin. Quoi, c'est tout? Bon. Ça m'intéresse. Voilà. Des nectars, j'en ai encore suffisamment. Ouais, Cerber, là, tu m'as trahi. Mais non, moi je croyais qu'il venait m'aider, en fait non. Je me suis dit, c'est pas possible, ça se... Non, il vient pas m'aider, c'est Hadès qui l'a invoqué, quoi. Je travaille tellement ces derniers temps. Il m'a sûrement vu en train de saluer les ombres, faire ma liste, créer une atmosphère accueillante, blablabla. Ne m'adresse pas la parole ainsi que nous sommes ici. Conduis-toi de manière digne d'un serviteur de la maison d'Hadès et continue de développer ton indépendance. C'est ça, m'appelle pas maman. Mom. Ah, Hypnos. Ah. Qu'est-ce qui se passe ici? Entre moi et mon père, ben, on se frite régulièrement, mais ça se passe plutôt bien. La maison d'Hadès, c'est la maison que tu trouves quand tu traverses la rue, non? C'est exactement ça. Mais en vrai, oui, quand je finis une run, c'est à peu près ça. Quand je glisse pas sur une peau de banane, que je me fais pas renverser par un chariot, ce genre de choses. Ah ouais, mais dans la maison quand tu traverses la rue, on est d'accord. Sort de commun accord, même s'il fait comme si rien n'avait changé quand je suis là pour le boulot. Ouais. Il dit qu'il agit ainsi pour que tu donnes le meilleur de toi-même tout le temps. Ouais. Est-ce que ça te pose problème de nous voir ensemble? Non. Pose pas de problème. Bah ouais. C'est cool, j'ai ma maman. Si le prix à payer c'est qu'elle soit avec papa, ben bon, ça me va. Hein. Ah, t'as perdu aussi Azayla. Tant pis. Allez, on recommence. On arrivera un jour. Fais pas du mal, je stimule, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as pas eu les mobs cristaux? Alors, t'as eu quoi? Parce que moi, j'ai eu les mobs cristaux et les gorgones. Voilà, j'ai eu la totale. Bah non, en vrai, c'est bon, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ici. Orphée, il est pas là. Bah, c'est reparti, hein. Je fais quoi? Je reste au glaive, hein. C'est sympa, le glaive. Ouais, allez. Je vais juste reprendre Déméter, quand même. Donc là, il faut que je prenne Volonté Vorace et les autres machins. Hein. C'est... Papillon et Gorgone. Ouais, les papillons, je sais pas... Je sais pas si j'ai gagné au change, du coup. Ou si toi, tu gagnes au change. Pap, je vais au boulot, ok. Mais d'abord, viens te battre. Papa. Ouais, c'est ça. On farme les légendaires, on met tout pour les légendaires avec le miroir et tout. Je pense que j'ai déjà ce qu'il faut, ou presque. Attends, je vais vérifier. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le truc pour... Ah non, ça c'est pour le puits de Caron. Celui-là, on va le garder. Bienfait de qualité légendaire ou de type duo si possible. Non, celui-là, faut que je le garde. Non, c'est pas celui-là. Par contre, celui-là, je vais le monter un peu. Voilà. Faveur de l'Olympe, rare. Hein. Chouchou de la famille. Statut privilégié. Non, c'était pas celui-là. Je pense que c'est ça, hein. Héritage des dieux. Peau dure, on va le garder. Toucher de Midas.
Mouef. On va garder réserve pour le lancer. Âme stygienne, ouais. Ça dépend trop de ce que je prends. Je crois pas que j'ai un quelque chose pour quelque chose d'autre pour les bienfaits. Non. Oh non, j'ai bien pris héritage des dieux. Et ben je vais essayer de farmer le légendaire de Déméter, on va voir. Donc normalement j'ai déjà pris le corps. Bah voilà. Tentons, tentons. À toi de voir ce que tu mettras après, l'équilibre est chaud à trouver, ouais. C'est. Je vais déjà essayer avec ça. Tôt ou tard, je finirai par l'avoir. De toute façon, c'est simple. Si j'arrive pas à avoir Hadès en température 10 avec que les mesures d'urgence, en V2, je veux dire, je l'aurai pas plus avec une température plus élevée. Quoi? Mais je peux pas utiliser ce ancestral. Oh, c'est triste. C'est pour ça que ça marche jamais quand j'y vais. J'adore courir, ouais. Bah, marteau? Double Nova, lame sournoise, là. Oh putain. Lame maudite pour Hadès V2, je sais pas, hein. Ah là, je sais pas. Sinon, je prendrais double Nova. Ah là, j'hésite. Avec l'Excalibur, tu tapes pas assez vite. Ouais, c'est ça. Bah, c'est vraiment, c'est purement sur la frappe. Et la frappe, elle est relativement lente. La maudite, j'aime bien, mais peut-être pas avec cet aspect, effectivement. Lame sournoise peut être pas mal. Et la technique, je la spamme beaucoup, donc ça peut être bien aussi. Moi, je l'ai réussi qu'avec le gun Lucifer, donc je sais pas. Ouais, ben là je fais avec la lame, on va voir. Mais ouais, le problème des lames maudites, c'est que si j'arrive pas à caser une attaque pure et dure, ça va pas être terrible. Ah, on va prendre la double Nova. Dit-elle en se prenant un coup. Allez, on va être joueur. On va être joueur. C'est mieux, faut savoir jouer dans le nos des sbires. Ouais, et c'est pas forcément mon cas en fait. Je suis pas super douée pour ça. Enfin, j'y arrive, mais pas systématiquement quoi. Mais va péter ailleurs, toi. Merci. Ok, il n'y a pas de char. Si, il y a un char. Ouf, c'est bon. Comme ça, j'ai commencé avec un peu de pognon. Bon, du coup, j'aurai pas le Déméter, tant pis. Hadès V2, de toute façon... Ah oui, j'admire. Zeyla, Hadès V2 est compliqué. Je trouve le gameplay du Gun Lucifer extrêmement compliqué à maîtriser. C'est ce que je disais avant, je le maîtrise pas. Mais j'espère qu'un jour j'y arriverai. Parce qu'une fois maîtrisé, il est énorme quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il est énorme. Ouais, c'est vrai que l'attaque sur Excalibur, c'est un peu lent. Ah, trop lent. C'est Ça va encore, mais... L'autre, il fait son attaque en arc de cercle. Fouh. Ah mais attendez, il y avait un puits de chaos ou je rêve. Ah zut. Voilà. Voilà, toi tu vas crever. C'est vrai que la lame sournoise ça aurait pu être sympa, mais faut que je pense à le jouer plus en sournois. Faut que je prenne l'habitude. Voilà. Looks like a good spot. Petit poisson et après on ira prendre Déméter. Pom pom. Allez la poiscaille, mort. Pacouche, le oui c'était en réponse à quoi de nouveau? Parce que comme je rate. Je sais plus. Ah, je crois que c'était par rapport au canon, ouais. On va aller là. Pour le portail de chaos, ok. D'accord. Ouais, bah tant pis. Oh là là. Mais ce lancer puant, quoi. Le lancer de base, franchement.
Pas étonnant qu'on cherche à le remplacer au plus vite. Ouais, c'est vrai que Excalibur beaucoup trop lent pour la lame maudite. Alors, bah, il n'y en a aucun du coup qui fait partie. Il n'y a pas volonté vorace ou les autres. J'ai quand même prendre le rayon histoire d'avoir quelque chose sur le lancer. Et on va aller voir pour la suite. Moi, c'est l'arme que je préfère, mais je joue comme une grosse bourrine avec des explosions dans tous les coins. Bah, t'as bien raison. Tu as bien raison. Faut bien que ça serve. Voilà. Pourquoi je joue en regardant sur mon retour OBS, moi? Je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer, mais j'ai du mal. Après, j'apprends à donder au psy la visée auto. Autant je suis en temps 16 sur les points, en temps 16 sur les points ou l'épée, autant je suis tempin sur le flingue. Si tu joues l'âme sournoise, ça donne plus de 100% au coup dans le dos, et à ça s'ajoute les 50% du miroir, donc un seul coup en vaut déjà plus de 3. Ouais. Ah, il faut d'abord que je prenne ça. Bah c'est vrai, maintenant je me dis j'aurais dû le prendre. Au moins pour essayer, mais... non. Ben tous, hein. Aphrodite, à part pour les points, je suis pas très fan. Ready, lads. Yeah, allez les potos. Je les ai appelés McFly et Carlito, ces deux-là. Alors va bien, non? Ah! Ah, c'est vrai que là... là, par exemple, je pense que j'ai réussi à frapper dans le dos, quoi. A priori. L'âme sournoise, c'est le marteau de Dédale. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais, plus de 100% dans le dos. Mais je l'ai pas pris sur ce coup-là, mais j'aurais peut-être dû maintenant que... Arrive en glissant sur les genoux qui fument. Doucement, bodo bodo. Bonjour à vous, bonjour Blood Monday. Enfin, bonsoir, plutôt, parce que là, maintenant, il fait nuit, on peut dire bonsoir, c'est officiel. Ce qui saute dans tous les sens, en pétant tout, ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, je vais les appeler McFly et Carlito. Ah, Blood Monday, j'espère que tu as passé une bonne journée. Ouh, soutien de Zeus, ça peut être cool. Ça peut être cool. La technique peut être cool aussi, on va prendre le soutien. Allez, go. Il est quand même épique. Tout ça, tout ça. Ah, mais tout le monde est là, c'est cool. C'est bien ce soir. Non, mais le fist. Mais t'as pas honte? Mais. Quoi, elle fait plus. Attends, la technique fait plus l'aura ou je rêve? Oh, j'ai eu peur. Oh là là! J'ai eu peur un instant, je me suis dit c'est pas possible. Non, je l'avais déjà posé ailleurs, c'est pour ça. La journée était riche en émotions. Ouh, bah j'espère que c'est des bonnes émotions du coup et pas des mauvaises parce que c'est quand même, ce serait quand même mieux. C'est pas riche en bienfaits hein, sur ce, là sur le début de la run. Ou alors je demande peut-être trop, je sais pas. Allez, mais. Faut que j'arrête d'être nulle là. Bah regardez-moi ça, je prends des dégâts pour que dalle. Hein. Ouais, heureusement que j'ai pas pris la lame maudite. Je confirme. Les émotions qu'on a pas envie d'avoir, aïe. Bah j'espère que ça va pas durer du coup. Que c'est des trucs qui passeront vite. Hein. Allez, chez Caron. L'âme sournoise, c'est un must-have sur Excalibur à cause de sa mécanique. C'est facile d'être dans le dos des sbires avec le glyphe ralentissant et vu qu'Arthur est lent, on s'applique pour placer un seul coup, mais un coup qui fait mal. Y'a Gigi, t'as bien raison. Bah, je pense que pour la troisième run, pourquoi pas. Oh. Allez. Allez. Je vais me faire poutrer, mais c'est pas grave. Ah, pareil pour toi, Pacouche. Oh, mais j'espère que ça ira mieux pour eux. De l'argent gratuit. Je vais me faire poutrer, mais c'est pas grave.
De toute façon, il faut que je le batte deux fois de suite pour Hermès, donc... Oh, hi. Coucou. T'es pas content, je sais. Je sais, t'as le seum. Même si avec le glaive, je crois que j'avais déjà réussi à le battre. Quand je joue pas au con, évidemment. Comment vous dire? Je pense que c'est pas bien parti, mais c'est pas grave. Je veux que j'évite sa rame, mais ça sera bien. Dit-elle en mourant. Ah oui, c'est vrai que j'ai un appel. Enfin, on va s'en servir, hein. On va voir ce que ça donne. Hein. Ouh, il a fait mal celui-là. Hein. Vous l'avez entendu taper? Ah, j'ai pas fait gaffe que ça tombe. Les trucs qui s'effondraient, ça faisait du pognon. Ok. Je pense que je vais crever en vrai. Parti comme ça, je vais crever. Caron, en même temps, je suis nul contre Caron. J'ai dû le faire quoi en tout? Trois fois, j'ai gagné qu'une. Oh bah tant pis. J'ai le môme qui avait visioconférence pour son inscription l'année prochaine en études et développement de systèmes électriques et robotiques. Il a pas paramétré son ordi, il a préféré jouer. 20 minutes avant l'heure, il me sort des bugs micro parce que Team Fortress était plus attrayant. Oh purée, mais non quoi. Non, ouais, je vois le truc, je vois le truc. Bah, j'espère quand même que ça s'est bien passé après, quoi. En même temps, les bugs micro... Au bout, tu connais peut-être par le biais du stream, donc peut-être que ça marche mieux que quelqu'un qui connaît pas du tout. L'âme sournoise, pas l'âme maudite. Alors attends, je regardais juste. Il y a des apports de vie de la maudite dépendent des dégâts, tu me fous un doute. Non, non, ça, alors pas couche, ça, pour la lame maudite, c'est 2 points par frappe. Quand tu touches. Pour la lame maudite. Et l'autre, la lame sournoise, c'est plus de 100% de dégâts. Je sais plus si c'était sur l'armure ou de façon générale. Quand tu frappes les ennemis de dos, c'était ça, ouais. La mémoire, peu importe les dégâts qu'on fait avec le marteau, lame maudite, un coup réussi rend toujours le même nombre d'HP, ouais, c'est ça. Normal, d'être nul contre Caron, on le voit tellement peu souvent, c'est ça, et puis il frappe fort, quoi. C'est pas grave, mais au moins maintenant je me rappellerai de certaines erreurs à pas faire. Elle avait un truc à dire. Hein. Oh, serais-je en train de la draguer? Quelqu'un d'autre d'un point de vue romantique? Ah non, sous-entendu, il y a que moi en fait. Ça veut pas dire que je n'éprouve rien pour vous. Allez, Doussa, je sais que tu m'aimes bien. Cette sorte d'amoureux, ça c'est vrai. Ouais. Je vais jamais imaginer que c'était de l'amour jusqu'à maintenant, mais vous avez raison, je vous aime, Zagreus. Oh, c'est beau. Bug serveur, et comme c'est un système de merde utilisé par l'éducation nationale, ça te dit tu peux pas te connecter, vérifie ta connexion au lieu de dire on a pété nos serveurs. Donc tu stresses, tu cherches. Ah d'accord, ok, c'était pas de votre côté, quoi. Au lieu d'utiliser Discord, bah ouais, non, mais les nattes... J'étais 5 ans dans l'éducation nationale, no comment. Hein. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon nouveau contrat. More flexible arrangement. Je craignais que mon départ me voie un nouveau séjour prolongé dans les tréfonds du Tartare. Ne me donne pas des idées, fais ton travail. Ouais, ok, bon. Ça va. Il se fait pas punir, c'est bien. Il est mort de quoi, lui? Maladie du foie. Toi, t'as trop vénéré Dionysos. Hein. Bon, bah au moins, ça me donne l'occasion de voir ce qu'il y a en promo ici. Moirf. Ça, c'est la musique. Je viens de me faire poutrer par Caron et t'oses me dire que je suis en pleine forme. Tu connais Life Size? Bah voilà, j'ai découvert toute la beauté de l'horreur, sauf de merde, horrible et dégueu à paramétrer. Ah non, celui-là, je connais pas.
Je connais pas. Moi, je connaissais les cahiers de texte à faire sur l'ENT, enfin les machins. C'est Zoom qu'ils utilisent à l'EN. Je pense que s'il y a pire que Zoom, ils l'utilisent, quoi. Autant j'aurais envie de m'énerver, autant c'est tellement mal foutu, t'as juste envie C'est de déjà rager plus contre un grave. système archaïque et beaucoup trop mal géré par des gens qui galèrent, oui. Ah non, mais dans les notes, vous savez faire une présentation PowerPoint, vous êtes un génie de l'informatique, hein, déjà. Puis c'est là que tu fais au prof. Ouais, non, mais en fait, je vous invite sur mon Discord, là, ça ira plus vite. Bah écoutez, du coup, je vais repartir, hein. Tant pis, j'aurais essayé Caron. Je retomberai peut-être sur la lame sournoise cette fois, qui sait. Coucou, chouette design! Comment ça va chez toi? Je sais pas si t'étais déjà passé dans le chat. Hein. Donc si jamais tu n'es jamais passé, bien bienvenue à toi. Et sinon, eh ben re-bienvenue à toi. Bah c'est gentil de passer. Non, on est trop nombreux ce soir, c'est bien, c'est cool, je suis contente. J'aime bien quand vous venez, c'est bien. C'est un truc sorti de honte, c'est où qu'ils ont payé pour avoir des serveurs crashés pour faire des visioconférences. Mais prenez Discord, mais c'est vrai quoi. Bon, bah je sens que ça va faire l'élan de d'émetteur. Y a pas ce que je veux, enfin pour le bienfait légendaire, mais c'est pas grave. Bon bah, on recommence, hein. Ça me rappelle les fun facts du confinement avec le prof qui découvre Discord et qui demande qui est PNL4 Forever, qui soit que du 78. Ah ouais. Bah tu m'étonnes que t'étais explosif, ouais, je peux carrément comprendre. Ah non. J'ai failli le rater celui-là. Bon, ça va. Le lancer, il est pas trop moisi. L'élan, il m'aide bien. Presque. Je pense pas qu'il va y en avoir beaucoup, hein. Non, je l'ai pas eu. Yes! Un peu de tunas. Ah bah bonne soirée à toi Chocopirate, merci d'être passé. Et puis bah bonne nuit. Enfin parce que je pense que du coup tu ne reviens, repasses pas avant que j'ai fini. Bye bye. J'ai pas de séquelles. J'étais explosif ce matin, mais j'ai pas de séquelles. Ouais, on sent un peu le seum quand même. Mais du coup, après, ça s'est quand même bien passé, j'espère. Enfin, disons, ça a pas compromis ce qu'il devait faire. Ou ça a été remis, mais c'est pas de sa faute, on est d'accord. Ah oui, alors ça c'était le coup préparé. Waouh. Ok. C'est des petites salles à ce niveau-là. De la thune. De la thune, de la thune. Je veux dire surtout l'intégrité physique ou surtout l'environnement immédiat. Ouais, ça aussi c'est la question. Et ouais, j'ai nouveau l'impression que je glisse, voire encore plus qu'avant, maintenant que j'ai l'élan de tout geler de Miss Demeter. C'est peut-être pas qu'une illusion. Mais je pourrais avoir autre chose que des obsidiennes en vrai, parce que moi je veux des bienfaits là. Ça va bien, merci. C'est la deuxième fois que je viens chez toi, mais la première fois, j'avais pas dit coucou. Oups. Ah non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est juste que, effectivement, par contre, si tu n'as pas dit coucou, j'ai pas vu que t'étais dans le chat parce que je n'affiche pas, en fait, la liste. Je regarde pas combien j'ai de viewers pendant le stream. Je regarde seulement après, quoi. Et du coup, bah, effectivement, je ne t'avais pas vu la première fois que tu étais venu. Mais vous avez totalement le droit de pas vous manifester dans le chat, hein, et de regarder juste Pépouze. C'est... Je viendrai pas faire « Elle est leur cœur, alors pourquoi vous dites rien, lol ?» Voilà, parce que moi aussi, des fois, je regarde les streams un peu comme j'écouterais la radio. Vraiment en arrière-plan, et je conçois qu'on n'a pas forcément envie de parler dans le chat. Donc, heureuse personne. Ça va, je m'en prends pas au matériel quand ça merde. Ah, tu fais pas Mais c'était sûr. Faut que j'arrête. Heureuse personne, j'ai ce terrible défaut qui m'a coûté parfois cher. En fait, c'est ça, ouais, moi je suis trop pauvre pour casser mon matos, donc...
On a le droit de rien dire, part dans le placard, bah bien sûr. Je sais, alors après, il y a deux écoles là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui ont, par exemple, les bots de chat. Dès que vous arrivez dans le chat, même si vous parlez pas, le bot, il vous dit « Hey, bienvenue ici et tout ». Il y en a qui demandent « Hey, les lurkers, qu'est-ce que vous dites ?» Mais moi, je sais pas, j'ai pas envie de le faire et... Je pars du principe, moi, j'aime pas quand on le fait, quand je suis viewer. Donc j'essaye de pas faire ce que moi, j'aime pas en tant que viewer, déjà. Après, si vous voulez que je vienne vous chercher quand vous lurquez, faut me le dire spécifiquement, on va dire. Ah non, oui, j'ai un lancer qui courait. J'avais oublié. C'est l'élan où j'ai du Déméter. Mais cette interruption... Non mais... Moi je dis, elles sont mal polies ces sorcières. Hein. Et pour la peine, je vais la buter. Mais... Revenez. Parfois on veut juste regarder le stream et ne rien dire. Bah ouais, c'est ça. C'est... Alors évidemment, moi j'aime bien quand le chat est actif, que vous parlez, qu'on a une discussion. Hein, je vais pas dire le contraire. Mais si vous avez pas envie de parler, bah vous parlez pas. Hein. J'ai fait pire, genre casser des trucs au travail, parce que pourquoi casser des trucs à soi quand on peut casser les trucs des autres? Ah moi j'avoue, si je pète pas mal de souris. Donc en fait c'est pour ça que j'ai toujours des souris de merde à 5€, parce que... Je dis bonjour à leur cœur sans les nommer perso, je leur dis de rester tranquillement caché s'ils désirent et de profiter. Ouais, voilà, ou comme ça, ouais. Non. C'est un petit peu cher pour regagner 9 points de vie quand même. Aphrodite. Pff. Non. You and me, sneak. Le bâtard. En plus, comme la lame, elle est lente, c'est... J'ai quand même pas appelé Doussa pour un mini-boss, mais je suis en train de bosser en même temps sur un projet, donc je parle pas trop. Bah ouais, d'ailleurs j'espère que... J'allais dire, j'espère que ton projet ça avance bien. Ton projet c'est faire la bouffe pour demain ou c'est encore autre chose? J'ai pété deux cafetières, mais c'était pas fait exprès. La première c'est un coup de coude maladroit. Ouais, ça les coups de coude. Moi je l'avais dit déjà, j'ai pété ma tasse collector Star Wars qui était disponible uniquement dans une expo temporaire. Et elle est tombée du placard, elle s'est explosée sur le carrelage et j'ai fait bouh, je suis triste. Bon, en même temps, ça vaut pas aussi cher qu'une cafetière, mais d'un autre côté, la cafetière ça se rachète plus facilement que la tasse Darth Vader, mais bon. Mais déjà arrivé que le bot me dise bonjour alors que je n'avais rien dit, ça m'a surprise. Ouais. Bah c'est... Si ça surprend seulement, ça va. Mais si le but c'était, si tu voulais regarder le stream et que t'as pas envie de parler, ça peut être dérangeant quoi, du genre merde, maintenant ils savent que je suis là, moi j'ai pas forcément envie de parler, je suis en train de bosser, j'ai pas le clavier sous la main, c'est pas facile pour moi de décrire, etc. quoi. Perso, je salue les gens à la fin de mon stream juste en regardant les utilisateurs chat, qu'ils discutent ou pas, mais au moins pour les remercier d'être venus regarder. Ah ouais, c'est jouable aussi. Même si techniquement la liste elle est pas à jour. Donc, si ça se trouve, tu leur dis bonjour, ils sont peut-être déjà partis, en fait. La seconde en trébuchant sur un switch posé à même le sol. Ah, méchant switch. J'ai pété la gueule au voisin, mais j'ai pas fait exprès. C'est fou. Perso, j'aime bien dessiner en même temps. Moi aussi. Moi aussi, justement. Bah tiens, je vais en profiter pour regarder le légendaire chez elle, ce qu'il faut. Parce que... Obsession malsaine, élan fougueux, frappe brisqueur, technique brisqueur... Vide intérieur, douce reddition, fléchissement. Il n'y en a pas un de ceux-là que j'ai pas. On va prendre technique brisqueur, hein. Ouais, c'est ça, chouette design. Après, tu te sens un peu obligé de dire bonjour, quoi. Oh, oh, oh. On va pêcher. Puis moi, souvent, quand je regarde des streams dans la... en semaine, dans la journée, c'est quand je suis au travail. Donc, mon installation, en fait, c'est... Je regarde les streams sur mon PC perso, parce que je bosse à domicile. Mais j'ai mon portable, j'ai mon Mac pour le boulot qui est devant mon clavier du PC perso. Donc en fait, pour répondre au chat, il faut que je passe par-dessus le Mac. Et ouais, c'est lourd, quoi. Combien il me reste de clés, moi? 12. Bon, on va prendre des obsidiennes encore. Tu l'as déjà eu après, donc moins indispensable si c'est pour la prophétie. Je l'ai déjà eu? Le légendaire d'Aphrodite, je l'ai déjà eu.
Purée, je me souviens plus. Moi, je rigole, j'ai pas tapé mon voisin, mais j'espère. J'espère quand même. Bon, le prochain Déméter, si c'est pas ce que je veux, je re-roll. Voilà, une petite baffe. Bon, au moins je suis arrivée à toucher les deux, parce que le seum, c'est quand on fait ça et puis que ça passe direct entre les ennemis et que ça les touche pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a dans le trésor? Peut-être un truc sympa? Je regarderai ce que c'est après. Mais, faut que j'arrête de caser ma technique à ce moment-là. Hein. J'ai vraiment pas... Je le sais, pourtant j'ai des réflexes de merde et je le fais quand même. Le légendaire d'Aphrodite, j'ai pas de parchemin sur la caisse. Ah oui, t'as raison! Ah bah oui, alors en fait, on s'en fout. On s'en branle. Quoi là-dedans, soit sur moi. J'ai pas envie de faire l'effort pour déjà. Je dis ça parce que si dans 10 ou 20 ans, je suis une star, je veux pas qu'on dise Blood en 1832, il a mangé un chaton. Ouais, mais c'était la guerre, on mourrait de faim. C'est pas une raison! Ah oui. Hello, sir. On va dire bonjour à Pierrot. Baldy. Baldy. Allez, ciao. Qu'est-ce qu'il m'a filé? Cœur de pierre, résistance aux dégâts. Ok. Oh, il est content de mes visites. Ouais, c'est ça, Blood Monday qui veut pas se faire cancel par Twitter, quoi. Bah, en même temps, voilà, Super Malheur, j'ai retweet en août dernier un tweet d'un mec qui, entre-temps, va se faire cancel. C'est bon, dans 3 ans, je suis fini, hein. Bah bon, Twitter c'est un peu spécial aussi. Bon, allons prendre la tunasse. Ah bah voilà un petit marteau. Non, non, mais c'est vrai que Twitter c'est vraiment spécial. Je sais pas ce qui se passe sur ce réseau, mais... Lame Cupid, Supernova... Nova percutante, j'aime pas celui-là. Ben, je pense qu'on va prendre... Ah, quoique... Lame Cupid, j'ai jamais essayé. Mais ça veut dire qu'il faut pas que je dépense de pognon. Ouais. C'est un peu trop tributaire du pognon. Le droit à l'erreur, à la mauvaise interprétation, pas en 2020. Et en 2021 non plus d'ailleurs. Ouais, c'est... Non mais c'est ça, qu'à la limite qu'on t'attaque sur un truc que t'as posté il y a un mois. Ok, mais un truc que t'as posté, que j'ai posté sur Twitter en 2009... Mais c'est bon, il y a 11 ans qui sont passés, j'ai peut-être changé depuis, quoi. Prends juste James Gunn, les Gardiens de la Galaxie, qui a sorti une blague limite il y a 10 ans sur Facebook, bah cancel. C'est ça, le mec, si ça se trouve, maintenant, il est plus du tout dans la même optique. Alors, j'en sais rien, hein. Mais il y a toujours ce truc où on n'oublie pas, on pardonne pas, et c'est genre, ouais, il y a un mois, c'est une chose, il y a 10 ans, c'en est une autre. Peut-être, je sais pas, regardez si la personne, elle dit encore des choses similaires, non ? À l'époque, rendez-nous les années 90. En même temps, les années 90, j'avais pas internet. Moi, j'ai commencé à aller sur internet en 97 quand je suis allée à la fac et c'était sur les ordinateurs de la fac. Je vais prendre Supernova quand même. Oh, purée, mais j'en ai marre des clés et des gemmes. Filez-moi des trucs, là, bordel. Bon, c'est pas mieux. Pas mieux du tout. Bah tiens, c'est comme ça. Ah non, j'irai pas chez Caron, c'est un petit peu tard sur le niveau. Zut. Bah tant pis, j'irai pas chez Caron. Ah, il s'est pris un effet d'Aphrodite, lui. Il était tout rose. Oh, ce lancer poussif. Ah, c'est... Okay. Particulier, hein. Non. Et je veux pas risquer de me taper un malus alors que j'arrive sur les boss, quoi. En même temps, à l'époque, pour streamer, t'envoyais 2 pixels, mais c'est ça, quoi. C'est exactement ça. Bref, on ne faut pas tomber non plus dans « c'était mieux avant ». Juste, c'est pas mieux maintenant, et vu que ce genre de choses commence à sortir... Et à s'officialiser, ça forcément dans l'extérieur, il va falloir un peu de temps pour que ça se régule, je pense, ouais.
Mais il faut que j'arrête de... Faut que je regarde mon écran quand je joue, ce serait bien. On va aller chez Caron. On avait IRC, ICQ, les news, oui. F-Serf, c'était le bonheur en ASCII. Ah, si, quand même. Est-ce que j'achète? Ouais, allez, j'achète. Tir foudroyant. Ah, voilà, il est pas rare ou autre chose, mais... Ça peut être cool, ça. Désolé pour le pavé en pleine salle. C'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais pu le lire après, hein. C'est... Oh, elle se souvient de mon nom! Yes! Bon, du coup, je te poutre quand même, hein. Meurtrier! Ah. J'oublie à chaque fois celui-là. Ça fait un moment que j'ai plus utilisé Tizifone. Enfin, quelques runs, quoi. Mais non, Alecto! Viens pas me foutre ta Beyblade puante, là! Elle est partie? Non. Ah! Petite téléportation. Zandaru. C'est quoi ça? C'est le truc qui pète, ok. Bon, heureusement qu'elle était affaiblie, hein. Ah! Faut que je me casse de ce truc. Elle m'a pas encore envoyé ces trucs verts par contre. Ah, il y a un autre pavé. Alors celui-là par contre, il va attendre la fin du fight. Hein. Je suis désolée. Mais... Oh non, j'y crois pas, je me suis pris le truc de mégère. J'avais pas vu qu'il en traînait encore. Allez, Tizifone. Ah non, mais sérieux, là, les trois frangines. Elle est où, elle? Voilà. Alors, je pense juste que c'est comme la télé, l'internet. Quand la télé est arrivée, on disait « Oh mon Dieu, il y a des meurtres, des viols, des accidents dehors, c'est dangereux. » Parce que l'information arrivait direct, mais il y en a toujours eu depuis la nuit des temps. Et là, tout le monde, quasiment un ordinateur, ce qui n'était pas le cas il y a 10-15 ans, et tout le monde met son grain de sel. Ouais. Mais j'ai quand même l'impression que... C'est pas internet, c'est vraiment la partie réseaux sociaux en fait. Qui a, j'ai l'impression qu'elle fait quand même ressortir ce qu'il y a de pire chez les gens. Don't mind me, father. Je sais pas. Let's see here. Bon, on va reprendre Athéna. On verra bien si je trouve du Déméter. C'est une mode, le hater. Non, moi personnellement, les haters, je les comprends pas parce que être en colère. C'est fatigant. Et en fait, moi j'ai la flemme. J'ai trop la flemme pour me fatiguer à être en colère. C'est pour ça que je rage pas, en fait. Je chouine juste quand je suis sur un jeu. Parce que la colère, j'ai la flemme. Donc voilà. C'est bien d'être flemmeur. Vous aussi, soyez flemmeur. Voilà, la télé, les gens intervenaient pas du tout. C'est ça. Donc en fait, ils pouvaient rager devant leur poste, mais ça n'alimentait pas. Alors que là, c'est... T'as un truc, tu rages, t'as quelqu'un qui voit ton poste ou ton tweet, qui rage en retour... Etc, etc, et ça s'arrête pas en fait. Y a personne, y a rien qui met le haut là. Ouh, c'est quoi ce petit nonos qui est tombé? Welcome. Mais non, mais reste là. Voilà. J'allais dire c'est flou, mais en fait c'est pas parce que j'ai pas mes lunettes. Ah, je n'ai pas vu le bleu. Tu vas crever, Vifi, ça, merci. Je l'ai eu? Ouais, je l'ai eu. Voilà.
Marshall McLuhan disait bien que c'est plus le média que le message qui compte en fait en termes d'impact sur la société, ouais. Ouais. Tu prends le pèlerin qui teste un jeu, ce jeu est une merde, il a chié et les gens cliquent et rigolent puis achètent quand même le jeu. Ouais. Mais ouais, mais c'est ça en fait, c'est déjà, c'est pas tellement le message, c'est, je dirais, le média et la façon dont le média est présenté. Parce que si t'enrobes bien ton message, tu peux faire passer tout et n'importe quoi en fait. Prendre réflexe suprême. The haste of Hermes. Mais ouais, exactement, ça en finit pas. Et du coup, comme personne ne veut perdre la face en arrêtant le premier, ben souvent ça s'alimente quoi. Faut lire Understanding Media, le truc il a été écrit il y a longtemps, et ben c'est toujours d'actu. Ouais. Même pire que ça, je pense, certaines personnes disent « Tu dis pas comment je dois vivre, ça touche à ma liberté, tu retrouves la même personne en train de lyncher sur un forum une autre personne pour un style de vie différent. » Oui, ça aussi, oui. J'aurais peut-être dû prendre Athéna. Oh, tant pis. Que j'ai quand même toujours pas des masses de bienfaits. Mais on va donc mourir, toi. Il y en a d'autres, des hydrons. Bon, j'attends qu'ils viennent, hein. Voilà. Faut que je me rappelle que je me fais interrompre facilement avec la lame. Ah ! Des bâtards de Gorgone. Bon bah si c'est comme ça. Voilà. Il y en a encore une, hein. Ouais, il y en a encore une, je me disais. Ouais. Ouh, Zeus Déméter, on va prendre ça. Charbon est rigolo. Enfin, tant qu'il n'y ait pas trop de lave. Hein. Mais ouais. Ouais, ça c'est le truc, c'est dommage parce que les réseaux sociaux, d'un côté, c'est très très bien, il y a de très bonnes choses. Mais de l'autre, ouais, ça fait ressortir le pire chez les gens, quoi. Et Ah! Ah non, pas couche, c'était trop long, j'ai pas eu le temps de lire. Au nom de Wisebot, je suis désolée. Parce que tu vas devoir retaper ton message, malheureusement, et je peux pas le... Je crois pas que je peux le récupérer. Non, je peux pas le récupérer. Enfin, je crois pas. Je vois pas trop où. Désolée. Ah, faut que je remette cette limite, quoi. Purée, c'est pas possible. Attendez. Mais il y a une limite du nombre de caractères. Attendez, je vais juste regarder où c'est parce que c'est pas la première fois que ça arrive et ça fait un peu suer, quoi. Tu vas reformuler. Non, mais même, c'est pas... ok, je m'affiche, je vais pas le faire tout de suite, mais j'ai ouvert Wisebot pour penser à le faire après le stream parce que sinon c'est vite pénible quand même. Ah, bah, il y aura un truc de Caron. The gods want me to choose. Ouais. Stratophobe. On va prendre volonté vorace, hein. En fait, il m'aurait fallu volonté vorace et gel mortel. Mais... Non, mais c'est un peu chiant parce que je connais pas la limite exacte. Ouais, sans blague, il est pas content, Zeus, j'ai pas remarqué. Tiens, ça va être le Dawa. On va peut-être aller à un endroit où il y a un peu moins de lave, hein. Voilà. Ah, le Dawa. Comment j'ai réussi à le rater? Pas dire qu'il était juste à côté, mais bon. Ah, c'est pas fini. Oh non, mais il y en a trop là. Arrêtez de m'envoyer des ennemis. Bon, on va récupérer mes trucs. Juste que je fasse gaffe qu'il n'y ait pas un truc de Zeus qui a. Ouais, voilà.
Heureusement, je les vois au niveau de l'aura, c'est déjà bien. Je crois qu'il en reste deux. Ouais, il en reste deux. Bon, bah j'espère qu'il y aura de quoi acheter de la life là-dedans. Hein. Je crois que ça se dit ainsi, la peur des textes longs. Ouais, c'est je sais pas du tout. Je sais pas du tout, Scooby. C'est possible. Bon, on pourra vérifier. C'est pas que les réseaux sociaux, je pense que les gens se croient à l'abri derrière un modem et disent un peu trop ce qu'ils pensent ou veulent, sans prendre en compte qu'ils sont sur un lieu virtuel public. Y'a ça, ouais. C'est le côté, ouais, personne me retrouvera, alors je peux être un gros connard. Alors que t'insultes quelqu'un, je sais pas, dans ton bahut, et puis... puis t'as son grand frère qui vient de péter la figure à la sortie, ben, ouais. En gros, souvent on invoque la liberté d'expression pour limiter celle de certains, et c'est tellement facile à trigger que certains trolls n'hésitent pas à pousser le vice très loin. Ça, ouais. La prolifération d'informations sur tous les sujets fait que ce sont des sujets de rage facile sur lesquels on lâche un tweet ou un message rageux en 10 secondes, parfois sans s'informer, sans y réfléchir, juste dans l'instant. Sauf que celui qui se prend la vague de rage dans le tronche, lui, ne passe pas à autre chose. Moi, de toute façon, c'est simple. Si je commence à écrire un truc et que je me sens en colère, je fais « Ok, j'arrête. » Je reviens genre plus tard ou le lendemain. Et puis en général, même ne serait-ce que 5 minutes plus tard, je fais « Oh, puis merde. » Et j'ai la flemme. De toute façon, il y aura toujours des méchants et des trolls, ils trouvent du plaisir à faire rager les gens. Mais c'est ça, mais c'est le même principe que les gens qui se moquent de toi, qui te disent des trucs du genre « tu les as pas vus depuis un an », la première chose qu'ils te disent quand tu leur rends visite, c'est « ah bah t'as grossi toi hein ». Et puis après, quand t'as pas l'air content, ils font « ah mais c'était pour rire, c'était de l'humour, on peut plus rien dire ». Je dis « bah non, on peut plus rien dire, dès que quelqu'un me sort ça, s'il me dit « ah on peut plus rien dire », je dis « dans ce cas-là, c'est que t'as dit une dégueulasserie ». Assume. Assume au moins que t'as dit une dégueulasserie, quoi. Parce que... Pff, voilà. Il faut arrêter maintenant avec ces... Voilà, enfin, si, voilà. On peut dire plein de choses. Mais si c'est un truc, je sais pas, raciste, homophobe, dégueulasse, sexiste, bah faut assumer qu'on a dit un truc dégueulasse. C'est tout. Supraconductivité avec le lancer de Zeus, je prends ça. Hydracola... Ça va être cool. Et faut que je trouve le Athéna. Voilà, on va prendre Athéna. Steady now. Mais ouais, c'est un peu fatigant. Moi, je vous avoue, là, Twitter, ben, je poste des fois des trucs, je poste quand je fais un stream, etc. Mais je poste très très peu de choses que je vais appeler engagées. C'est ma famille il y a quelques années, sauf que c'était, oh dis donc, est-ce que t'es susceptible? Ouais, bah ben, moi, c'est la famille de mon père, quoi. C'est marrant. Les anciens de la famille de mon père, je leur parle même pas, je rends pas visite. Puis après, ils se demandent pourquoi. Bah bon, tant pis pour eux. C'est s'ils m'avaient mieux traité quand j'étais gamine, peut-être que... Ouais, s'ils avaient mieux traité ma mère aussi. Allez, viens là que je te foutre, toi. Fou. Mais ouais, c'est... Disons que c'est le genre de personne, tu fais ouais, à bout d'un moment, ça t'apporte rien de traîner avec, donc. Et du coup, je fais un peu pareil sur internet, ça m'apporte rien de répondre à des rageux, surtout si moi ça me met en colère. Parce que, une fois de plus, j'ai la flemme. C'est. Mais. On fait pas assez attention au pouvoir bénéfique de la flemme. Hein. Moi, si on me dit t'as grossi, je réponds du tac au tac, comme ma vie, j'irais moins sa cam direct. Ah, je devrais répondre ça aussi! À mon avis, ça calmera encore plus. C'est quel youtubeur qui se fait condamner pour du cyberharcèlement qui se réfugiait derrière l'humour, ce qui a foutu le seum à beaucoup de personnes qui faisaient genre non, mais c'est pour rire, combattre l'hypocrisie, faire une expérience sociale. Astronogeek ? Enfin, c'est pas le seul. Mais Astronogeek, il a sorti l'expérience sociale, on sait toujours pas si c'était vraiment une expérience sociale ou s'il a sorti ça comme ça. Quand j'aime pas le contenu du personnage, je m'en vais, je vais pas pourrir la personne avec un commentaire méchant. Mais moi, en vrai, il y a aussi des gens, certains youtubeurs par exemple, que je suivais. Et en fait, eux, quelque part, ça va encore. Mais ils sont un peu à la limite. Ils sont un peu limite sur les trucs controversiaux, controversés qu'ils peuvent dire. Le truc, c'est que... Leur communauté, du coup, elle est très controversée. Enfin... Leur communauté, elle est pas bien, quoi. Donc du coup, c'est pour s'engueuler à chaque fois dans les commentaires, voir des commentaires de merde. Au bout d'un moment, je me dis, ouais, bon, je veux pas traîner dans cette commu parce que c'est fatigant. Arnaud, ouais, Astronogeek, ok, donc c'était bien lui.
Qu'est-ce que je prends, moi? Ben, frappe divine, hein. Athena's power. Ça va être bien, la frappe divine, c'est cool. Ah ouais, non, je peux aller que ici. Mais... ouais, du coup, certains trucs où avant je participais et j'essayais d'être un peu, on va dire, je veux pas dire la voix de la modération, mais de justement de répondre de façon posée, histoire de... Tu vois, quand il y en a par exemple qui sont dans le truc, ouais, les gauchistes, tous les mêmes, ben, se dire, ouais, mais tu sais, on peut discuter, hein, on a le droit d'argumenter et tout. Sauf que eux, comme ils sont tout de suite dans la confrontation, moi je dis, ben, je vais même pas participer. Et après, c'est les mêmes personnes qui viennent vous dire que ouais, mais de toute façon, le camp d'en face, on peut pas discuter avec eux. Je dis ouais, sans blague. Ben, vu comment je me suis fait accueillir quand j'ai essayé de discuter, ben... Ah! Ah! Gorgone de mes couilles! J'ai pas mes hémolytes, ils sont... Oui, ils sont tous dans la lave, évidemment. Allez. Tu vois, j'ai perdu la moitié de ma life sur ça, quoi. Je suis pas gauchiste, je suis fragile. Non mais je lis pas les commentaires YouTube, je pense que j'ai gagné 18 ans de vie, c'est un peu ça en fait, faut pas que je le lise. Un jour il y a un mec qui m'a dit que j'avais grossi, t'es d'origine étrangère, je me dis j'ai peut-être mal compris, il me répond non, j'ai peur que tu sois maigre, mais non t'as bien grossi, c'est cool, je sais pas si ce gars voulait me draguer, mais en tout cas c'était loupé. Ouais, il y en a peut-être pour qui c'est un compliment du genre, t'es pas un sac d'os quoi. Bon, mais dit comme ça, ça en vaut pas du rêve quoi. Mon streamer est à chier, mais sa communauté est pareille, malheureusement. Bah, moi, c'est pour ça que, dans le doute, je banne. Si quelqu'un sort un truc qui est... genre, quelqu'un qui arrive sur le stream, que je connais pas, et qui sort un truc... là, comme ça, très limite, un avertissement, ça continue, je banne. Parce que je me dis, si le viewer, ou la vieweuse, hein, peu importe, si après, il veut s'expliquer... Il peut me DM, y a pas de souci. Mais j'ai pas envie de laisser passer en me disant « Oh là là, c'est un petit stream, j'ai quand même gagné un follow, y a quand même quelqu'un qui parle dans le chat, on va laisser faire. » Bah non, parce qu'après, les gens bien, eux, ils se barrent. Donc je fais non. Ah, c'était quand qu'il y en avait 5-6 qui sont venus avec des pseudos style... Des pseudos qui font allusion à certains événements de la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Et qui commence à me parler de vodka, et puis est-ce que j'aime les goulags. Je fais ok, ban de base. Là, c'était cash, quoi. Prends celui-là. Dans certains pays, c'est bien vu d'être gros. Ouais, c'est bien vu, mais quand tu dis ça comme ça, en France ou au Royaume-Uni, tu dis ah, t'as grossi. Faut peut-être apprendre à le dire autrement, quoi. La Horde de Trolls, c'était exactement ça. Ouais, les différences culturelles peuvent jouer pour le coup, il suffit de voir les déesses de la fertilité qui sont souvent grosses, mais qui ont surtout les hanches larges, donc renvoyées à leur rôle de mère. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est aussi un aspect, mais... Mais bon, vous savez, moi j'ai les hanches larges, mais si vous voulez me dire « Ah, t'es grosse », je le prends pas comme un compliment, hein. Parle des cultures mortes du 19e siècle, peut-être plus now. Je pourrais honnêtement pas dire. Je pourrais honnêtement pas dire. Bye now. Stay cool. Alors, un petit sandwich et un Déméter, ben voilà, on va prendre ça. Souffle arctique, gel mortel, je crois que c'est gel mortel qu'il faut que je prenne. Ah ben ok, je peux prendre un des deux. Souffle arctique, on va prendre celui-là. En même temps, vu la description de gel mortel, je comprends pourquoi c'est un prérequis. Là, il n'y a pas à dire. Oh, tu nasses. Ouais, j'ai gagné 15 balles. C'est tellement fort sur les boss. Ouais. Ouais. Enfin, il faut que j'ai un effet de gel, mais comme j'ai l'élan, ça devrait... Là, j'ai quoi? J'ai Athéna? Ah ouais, j'ai Athéna. Là, j'ai trop du mal à estimer sa distance de frappe à elle. Ah, ok, elle a remis son shield. Bon, pas ça. Voilà, tu me rends mes hémolytes. Non, reviens là! Revenez!
Est-ce qu'elle m'a craché un œuf? J'ai pas l'impression, hein. Non, il n'y a pas d'œuf qui traîne, ça c'est cool. On va rebalancer Laura. Parce que là, je pense que ça va cracher. Ah non, même pas. Là, ça va cracher. Ah! Laura qui part à ce moment précis, quoi, la loose! Je savais qu'elle allait time out, mais quand même, quoi, c'était un peu nul. Je l'ai déjà dit combien de fois que j'aime pas ce terrain? Ah, ça c'est la. Ok, la tête principale, elle est là. Mais. Comment ça, t'es vide? Se lancer tout lent, du coup. Ça, j'adore cet effet. Alors, à nous deux, l'Ernie. Comment ça? Mais. Pourquoi il me l'a pas balancé? Ok. Alors, du coup, je peux relire le chat, je sais bien, pas que je bouge, j'ai vraiment rien contre ça, mais quand on dit un truc cash, c'est un peu mouais, surtout quand tu tends une énorme perche au gars pour qu'il se rattrape un peu et qu'il insiste. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est. Tu es sûr que c'est ce que tu voulais dire? Tu es sûr? Quand le sieur qui te dit ça le dit cash, mais qu'en plus il sent bien qu'il glisse de l'arbre et tente de se rattraper aux branches, je peux comprendre que ça soit justifié de le voir se vautrer. Ah! Ma spécialité, le petit coup de pied dans la lave. Je suis déjà morte comme ça une fois, hein, en vrai. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Tribu de mid. Alors. Je sais que j'ai du pognon, mais quand même, je suis pas à la ramasse à ce point. Hein. Ok, le gland magique. Enough of this place. Juste un petit instant. Après, je commence à avoir mal à la gorge, donc j'ai l'impression que je parle un peu trop fort. Faut que j'essaye de parler moins fort. Parce qu'en vrai, j'ai pas besoin de gueuler. Tu sais, ce casque, il est super bien isolant. Et du coup, comme j'entends moins bien ma voix, et j'ai tendance à parler fort. C'est un peu naze. Viens là, toi. Mais... il n'y en a pas un? Ah non, il a crevé, en fait. Ok. Voilà. Oh, ça sent le papillon! Mais rends-moi ça, toi. Rends-moi le némolite. Il est où, le... Yes, il a pété. Je t'assure qu'il a pas du tout essayé de se rattraper aux branches, il a plongé direct. Ouais, c'est plutôt l'impression que j'avais aussi, en fait. Que c'est... Je te tends une perche, t'as vu, elle est énorme. Elle est longue et dure et droite et... Non, non. Bon, tant pis. Bon, faut que je sois un petit peu plus concentrée quand même là, parce que je prends des dégâts pour... Je devrais pas prendre autant de dégâts quand même. Enfin, autant. Il y a pire. Et bon. Voilà, rends-moi ça, toi. Ah oui, c'est vrai que j'ai Athéna sur la frappe. Oh, ça c'est cool, j'avais complètement zappé. Allez, toi, va manger tes morts. Hop. Ce qui est bien, du coup, c'est que les papillons sont ralentis aussi, là. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas.
te crois sur parole et dû dire que quitte à tomber, autant le faire rapidement. Autant le faire avec style. Le marteau qui me suit. Double tranchant, l'âme cupide, l'âme maudite. Ouais, mais non, toujours pas. L'âme cupide, vu que j'ai dépensé tout mon pognon avant d'arriver sur Hadès, c'est peut-être pas une bonne chose de me reposer dessus. À prendre double tranchant, hein. C'est dommage que là, j'ai pas eu la lame sournoise, parce que j'aurais bien essayé. Let's see what's in here. Essence vitale... Bon, allez. On va quand même jouer la carte de la sécurité. Il y a un poisson, non? Ah non. J'ai cru. Ouh! Mon ami! Mon ami qui vend plein de bonnes cams. Ah, ils sont ensemble, ils sont mignons. Bonjour tous les deux. Ah, je fais comme chez moi, alors je peux me bourrer la gueule et vomir partout et chier dans ta rivière, ok. Ouais, mon dealer préféré, moi aussi. Là, comme j'ai toutes mes lives, Hydracola Premium. Yes! On va prendre un petit cœur encore, parce que je crois que je suis pas à 300 PV. Hein. 230, ouais. Y'a mieux, y'a pire. Ouais, je fais du feu! Enfin, pas du feu, mais... J'ai une jolie couleur orangée, là. Quand je frappe. Entre l'élan d'Hermès et la frappe d'Athéna, c'est très joli, tout ça. Ah, par contre, les synergies au niveau des bienfaits, je crois qu'il faut pas en chercher. Hein. Vous savez quoi? Vous êtes un peu trop nombreux, on va utiliser ça. Voilà. Ah, la petite grappe de crâne! Ah, c'était trop beau! Ah, c'était bien, ça. Ça, c'était magnifique. Pardon. Non, je n'ai pas le Covid. On va aller chez Zeus. Ah ouais, il y a un crâne, il y aura peut-être Astérion. On va voir. Yes. Ouais, oui, encore moi. Bon, par contre, le balai brosse sur la tête. C'est moi ou il a fait un petit... Ah. Comme moi quand je rigole, quoi. Ok, d'accord. Bah t'envoies du lourd dès le début, toi. Je sais pas s'il y a moyen de renvoyer quoi que ce soit ici, mais... On sait quoi dans le dos, on va faire péter tout ça. Ah! Yes! J'ai réussi à le caser cette fois. Ok. Heureusement que Doussa elle est invulnérable, hein. Enfin, je crois. Parce que moi, je sais, quand je la frappe par erreur... T'es en retard pour quoi, hein? T'es en retard pour quoi, Doussa? Allez, saute! Aouh! Là, je l'ai mal joué. Mais ça devrait aller. Yes. Ça s'est vachement mieux passé que le combat précédent. Pourtant, c'est la même lame. Comme quoi. Allez, Zesune, qu'est-ce que tu vas me donner? Elle est grave vénère, la vache qui rit, ouais. Ok. Bah, on va le prendre, hein, parce que faut pas déconner. Même si je crois que je l'avais déjà eu pour la prophétie, malheureusement, mais... Ah, le prochain c'est Déméter, j'aurai peut-être du bol. Mais même avec le truc de Déméter, je suis foutu de perdre contre Hadès. Hein. Parce que quand on n'a pas de skill, on l'assume jusqu'au bout. Avec style. Parce que de toute façon, il n'y a rien d'autre à faire. Ouh. Boum. Ah non. Il n'a pas fait boum, il était pas dedans. Ah, ça sent la sorcière! Et le coin de pêche, il y a un coin de pêche. Viens là, voilà. Et coin de pêche, ça me perturbe trop parce qu'en fait, du coup, j'ai trop envie d'aller pêcher et je m'occupe plus du reste. Voilà, toi tu vas crever.
Ah, je vois plus ce que je fais. Elle est où, elle? Elle est là. C'était quoi, ça? Ah non, c'est juste le truc qui m'a pété à la face. Ok. Voilà. Ouais, c'est bien, l'archer reste bien dans la ligne de mire des pièges. Voilà. Après, je crois que tu ne produis pas d'étincelle. Je sais pas, le lancer, ça compte pas comme une étincelle, hein. Frappe givrée. Ah, frappe givrée en héroïque, c'est pas mal, hein. Ah, je sais pas. Je sais pas. Non, je vais prendre le soutien parce que j'ai pas encore de soutien à ce stade-là. L'autre étant un légendaire, bon. J'aurais eu la frappe d'Athéna de base, j'aurais sacrifié, mais là... En vrai, j'aime bien l'effet de renvoi aussi. Ça, c'est cool. Allez, le poiscaille. Voilà. Sharp. Ça fait des éclairs, non? Ou alors j'ai raté des trucs, c'est possible. Il est où le lancer? Non, c'est une étincelle pour le lancer. Il est où le truc légendaire, du coup? Mince, il est où? Éclair fractionné. Ouais, non, ça devrait marcher sur le lancer, puisque ça produit des étincelles. Donc, a priori, c'est bon. J'ai encore l'hydracola, ouais, ça va. Ouf. Regagner un petit peu de life. Ouais, là, ça va être la fête du slip. Yeah. Alors ça, par contre les chars follets, c'est génial. Voilà. Ok, c'est cool. C'était expédié et expéditif. J'étais persuadée que c'était un éclair autant pour moi. Non, bah du coup, j'avais un doute, mais effectivement, c'était bien... vraiment qu'ils enlèvent ces bruits de chat, on est d'accord. On est entièrement d'accord. Yeah. Ça, par contre, c'est quoi le dernier? Toile éthérée, ouais. Ça va, en général, vu que je bourrine dans le tas. Ça va. Mais c'est vrai que c'est stressant, les bruits de chat. Au début, je comprenais pas non plus. J'étais là, hein, mais c'est quoi, ce truc? Ils sont où? Ah, on va commencer par Zeus. Électricité statique. Ciel trouble, ça peut être sympa. Puisque maintenant que j'ai un appel. Peut-être Jean-Michel Brutage au sound design. Ouais, c'est ça. C'est ça. Allez, Athéna qui est pas contente. Alors. Ah, elle a pas encore balancé de bouclier, là. Ok. Ah, si. Alors, eux, ils sont pas protégés, ça va. Et je vois pas ce que je fais, ils sont trop en grappe, là. Voilà. Mais... Tu me laisses la placer, ma technique? Merci. Espèce de vilain. C'est là qu'on a le seum, quand les petits crânes, comme ça, ils sont protégés. Et qu'on n'arrive pas à les buter, du coup. Ah ouais, c'est bien, revenez là. Revenez les petits. Mais bon sang. Encore une fois, je pensais pas arriver à aimer autant un jeu de ce type là, quoi. C'est trop cool. Ça, je crois que le seul jeu que j'ai plus rentabilisé, enfin quoique. Ça fait partie des jeux que j'ai les plus rentabilisés, Hades. Avec Minecraft et Europa Universalis. Choqué, c'était sympa comme tout aussi. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Parce que... Ok. Bah alors Athéna, tu me parles là? Tu me parles là? Éclair aveuglant, dernier rempart. Bah on va prendre exposé, hein. Parce que des pièges, il va y en avoir, mais enfin bon. Tant que c'est pas de la lave, ça va, c'est gérable.
Refus de la mort, bah c'est bien aussi. Soin de refus, ça peut être cool. Non, en fait, je vais prendre ça. Et... on va chercher un petit cœur encore. C'est ça qui est bien avec ce jeu, je trouve. Il y a une marge de progression et de personnalisation de la difficulté qui sont vraiment bien foutues. Ouais, ouais. C'est clair, c'est clair. Au début, je galérais, et puis finalement, bah si, je galère encore un peu maintenant, mais... j'aurais peut-être dû aller chez Caron. Tant pis. Faut que je te recroise sur Discord aussi. Mais Discord, je commence à avoir du mal à suivre. Hein. Je suis sur trop de serveurs. Je vais juste boire avant. Normalement, j'ai le gland, hein, si je me souviens bien. Faut pas tout suivre. Bah ouais, mais je suis sur des trucs que j'ai envie de suivre aussi, quoi. Disons que je suis pas sur des trucs qui ne m'intéressent pas, on est d'accord. Ok, ça commence. Oup. C'est bon, j'ai évité les obus, ouais, ça va. Mais prends-toi le poteau. Ah. Non, pas aller vers Thésée. C'est pas une bonne idée. Je sais que ça pourrait être rigolo d'essayer de... de buter Thésée en premier, mais... je pense que je vais pas aimer. J'ai encore deux utilisations du gland. Ouais, ça va. Aucune. Je crois que j'ai pété sur un obus, en fait. Ce qui est pas idéal, on est d'accord. C'est vrai que bon sang, c'est que des esquives, ce fight, hein. Mais ça va. J'ai pas... il me reste une utilisation de l'obus. Et j'ai descendu Astérion à la moitié. Donc ça va. L'honneur est sauf. Il me manque... mes aimes... ah, ils sont là. Où est-ce que... j'ai pas un troisième émolite là qui traîne, hein. Ouf. J'ai eu de la chatte. Ah, ça y est, là, j'ai plus le gland. Ce que tu as fait, Thésée, tu existes. Il n'y a pas besoin de plus, tu sais. Oula, j'ai un petit peu saigné, là. En même temps, je vois plus ce que je fais. Il y a trop de merde à l'écran. Bon, Astérion, là, t'as pas visé. En même temps, moi non plus. Comment ça, mon char? Ah oui, parce que j'ai abîmé son char. Voilà. Ah. Mais j'adore ce moment quand... enfin, quand tu butes le Minotaure et puis qu'il y a... là, il y a ça, vraiment ce cri de Thésée où là, tu te rends compte que oui, il aime son ami, quoi. Ça, c'est magnifique. Allez, rends-moi mes émolites. Mon attitude au combat laisse à désirer, dit celui dont je viens de péter le char. Viens mon chariot, encore. Ouh, Arès. Je sais pas si j'ai réussi à le toucher, mais... ah, zut. Je pense que là, Arès m'a touché. J'aime bien le pourquoi. Bah parce que... hey. Alors, faut que je te... ouais, face au suivi Discord, c'est un outil de communication. Si tu suis tous les messages un par un, tu t'en sors pas. Ah non, mais je ne suis pas tous les messages un par un, ça c'est impossible. C'est juste que du coup, même si tu regardes que 2-3 messages, quand t'es sur 25 Discord, voilà quoi.
Puis le truc, en fait, là où je participe, c'est aussi pas mal des discords un peu, tu sais, sur les trucs d'aide. Donc forcément, bah, tu donnes des conseils et tout, ça prend plus de temps que dire bonjour, quoi. Et puis il faut que je pense aussi à participer un peu plus sur le mien. Pourrait bien. Ouais, merci Pacouche. Merci, merci. C'est mieux passé cette fois. On va prendre ça. Est-ce que je prends le... Ouais, non, j'ai quand même prendre la dent parce que je suis pas hyper confiante pour Hadès. Hein. Mais... C'est là que je vais me taper les racines persistantes, on verra venir. Pas sur 25, 9 cartes, plus rapide. Ouais, ça peut être sympa d'accord, de participer à son Discord, ça peut être cool. C'est... Bah comme j'ai l'impression que j'ai jamais rien d'intéressant à dire, du coup je poste pas. Avec 3 ou 4 Discord, je trouve que c'est trop, ben ouais. C'est pas évident quoi, mais d'accord. Vous savez quoi, je vais aller voir ce qu'elle me propose tout de suite. Oh putain. Bah je prendrai pas les racines, je vais prendre la moisson hivernale. Mais alors le choix entre les deux, ça c'était le choix de troll. Hein. Purée. Et je vais vous dire que je suis foutu de perdre contre Hadès avec ça, malgré tout. Malgré la moisson hivernale. Maybe this way. Du coup, je vais même pas regarder ce qu'il faisait. Ce serait peut-être bien que je regarde. Hein, je sais pas. Allez, petit coup dans le fion. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Moisson hivernale. Je sais qu'il est classe. Les ennemis gelés volent en éclats à 10%, gelant également les ennemis à proximité. Effectivement. Effectivement. Je disais juste qu'on devait voir sur Discord pour voir où tu en étais dans la proposition. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Ouais, faut que... C'est le vendredi soir, c'est ça? T'avais dit? Alors par contre, t'as bien vu, c'est... Tu cherches pas du skill, on est bien d'accord. Hein. Ouais. Pour moi, plutôt le vendredi, parce que je bosse pas normalement le lendemain. Soit je bosse pas, soit je commence à 9h. Donc, alors que le mercredi... Il y a plus la pression de devoir se lever tôt, donc autant quand c'est sur mon propre stream, je peux maîtriser. Quand c'est chez quelqu'un d'autre, ça fait un peu chier de dire « Ah non, désolé, il est 10h, faut que je me casse. » Mais ouais. Vendredi, c'est jouable. Alors pas cette semaine, hein, parce que j'ai déjà prévu, bah forcément. Où est-ce qu'elle est, cette fontaine de... Et là, le piège, il se déclenche pas, évidemment. Hein. Faut que je pense à utiliser la frappe, parce que c'est le seul sur lequel j'ai du renvoi. Ah. Mais ce troll! Bon, en même temps, je leur laisse pas le temps de déclencher la moisson hivernale. Hein. C'est quoi ce bruit? Ah, c'était son armure. Non, je suis pas arrivée à l'avoir. Je vais le buter à coup d'élan en fait. Hein. Okay. Rebondi! Yes! Ouh, il a fait un gros bruit quand il a crevé lui. Hein. J'ai eu les rats, j'ai même pas eu les rats! Oh le somme! Ouais, mamie Déméter, tu viens m'aider s'il te plaît, merci, t'es gentil. Il est où le machin là? Voilà. Voilà! Là, j'ai trollé l'ennemi. Je vais te laisser, bonne soirée tout le monde, bon courage pour la fin de la run. Merci Azeila, merci, ouais. Bah, merci d'être passé. De toute façon, je finis cette run et après, je pense que je vais arrêter parce que, bah, pour vous, il se fait 10h, ouais. Effectivement, faut qu'on voit une date ensemble parce que j'ai pas que toi qui réserve et j'ai du monde qui passe entre temps réservé aussi, donc c'est un planning. Ouais, 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 c'est... Après, moi j'ai pas de... J'ai pas de nécessité de faire ça rapidement non plus, donc c'est comme ça va. Si c'est dans 2 semaines, ça va, si c'est dans 3 mois, ça va aussi. No thanks. Le seul truc, c'est que faudra pas attendre du skill de ma part, c'est tout. Donc ça va loser sans doute du début à la fin. Mais du moment que t'es ok avec ça...
Ok, alors on a quoi? On a la grenade et on a Zeus. Et je vais parier sur la grenade. Parier sur la grenade. Ah, j'aurais pas réussi à le descendre sans prendre de dommages, mais ça va. Ça pourrait être pire. Mais il arrive à me toucher, je passe mon temps à dasher, quoi. Bon, en même temps, il en balance 3 aussi. Il balance 3 dards. Je pense que c'est des dards. J'ai jamais demandé du skill, Osef, c'est parti tranquille pour s'amuser. Ouais, mais ouais. Non, mais c'est... C'est cool. Moi, ça me va. Tant que c'est cool, tant que c'est pour s'amuser, c'est parfait. Prendre ça. Pélodarien, c'est quoi, tu vois? Prochain bienfait sera de qualité supérieure. Bah, vu que j'ai trouvé une grenade, pas trouvé grand-chose, hein. Bah déjà, ce sera pas dans la salle de la grenade, hein. J'ai perdu mon pari. Non! Il est où le... Il est où la fontaine? Elle est là. Ah, je suis pas arrivé à ralentir les roues, attends. Enfin, les Beyblades. Poison. C'est un peu le Dawa quand même, hein. Je veux pas dire, mais... Ouf! Ça va, j'ai perdu que quasi la moitié de ma vie, pour être pile. Va monter la frappe. Mais ça marche pour le prochain bienfait, quel qu'il soit, donc pour le prochain bienfait d'un dieu que tu trouveras. Ouais, mais j'avais l'espoir que le sac de satyr serait là-dedans. Et enfin, tu me diras, ouais, j'aurais sans doute acheté des bienfaits encore chez Caron, vu qu'il me reste 500 bouts. C'est vrai. C'est vrai. Bon, quoique. Est-ce que j'aurais pris le Hermès? Je sais pas. Bah, on va aller chercher du Zeus, hein. Ouais, puis du coup, en fait, c'est juste comme là, c'était une grenade, forcément. D'accord. Bonjour! Je suis pas douée. C'est molide, c'est ces bâtards de cristaux, là. Voilà. Je suis encore de l'hydracola? Ah, bien sûr que non. Bon, on fera avec. On fera avec. Oh, les cristaux, ils s'attirent, quoi. Non, mais non. Je suis fatiguée, là. Je suis fatiguée. Vous m'épuisez. Je veux aller battre papa, et puis... Puis, il faut que je les bute avant que le gaz s'échappe. Yes. Y a pas de pognon ici? Ah non, c'est bon, c'est parti. C'est parti. Mais quoi? J'ai reçu des bijoutiers qui ont joué pour la dernière fois à la NES de leur vie. Ah! Et des personnes qui sont peintres de figurines qui jouent très peu. Désolé, j'avais raté ça du coup avant. Bon, écoute, toi. Ouais, mais on est bien d'accord, moi je dis ça un peu en rigolant, quoi, mais... Oui, ça va forcément être pour le fun. Oh! Duo? Oh, du coup. Hey. Atmosphère sulfureuse. Ah ouais, mais non. Oh non, il pue du cul, lui. Non, non. Électricité statique ou vengeance céleste? Ah non, vengeance céleste, ça va être fun. Thunder and lightning. J'avais oublié que le duo Aphrodite-Zeus, franchement... J'ai pris une fois pour la prophétie, et puis après, c'était propre. Ça vale bien. Ça me donne envie de m'envoyer un petit whisky, là. J'ai un petit Lafroy qui a 15 ans, tranquille. Poisson. On va pêcher tout de suite, hein. Fishing time, then. Je parie que j'en aurai pas chez Hadès.
Blood and... Tant pis. En vrai, j'ai quand même pas mal de bienfaits et tout, donc je vais quand même monter ça. Ch'til à froid, quoi. Château la pompe 2020. On va monter le soutien aussi. Et on va monter encore l'élan. Ah voilà, c'est du pognon bien dépensé tout ça. Je suis à la goudaille, mais tout va bien. Pardon. Bon, maintenant je vais être prête à ce que Cerbère vienne me planter des dents dans le dos, des griffes dans le dos. Là, je crois qu'il n'y aura pas de poisson cette fois. You ready for another go? On va dire que oui. You bypassed Cerberus again. Ouais, donc je pense que le temps qu'il bouffe, ça va être d'ici la fin de la phase 1, quoi. Darkness. Non! Ah non, pas de poisson. Aïe. Coup de sang qui pue là. Ah. Ouh. L'onde de choc. Ça va, je crois que j'ai réussi à pas me la prendre. Tu me rends mes émolites s'il te plaît? Ah zut. En vrai, je sais pas si je ferais mieux de spammer la technique ou la frappe, mais... Ok. Bon, c'est le cristal qui pue. Bon, bah on va spammer l'élan, hein. Allez, le dash de la mort. Ok, il va falloir que j'échappe au squelette. Ah, ça c'est cool. J'aime bien Demeter, espèce de... Belle maman, comment oses-tu? C'est un peu ça en fait, hein. C'était quoi l'allée? Ah, je crois que j'ai renvoyé les trucs, les machins dorés là qui passent. Il est où papa? Il est là. En vrai, je vous avoue, je vois pas du tout ce que je fais. Hein. Aïe. Il a piqué un peu. Il a piqué un peu lui. J'arrête de me coincer dans les murs, quoi. Ok. Je sais pas ce qu'il va encore venir, mais... Oh là là. C'est Arlette Grus, hein. Je vois pas ce que je fais. Je vois pas ce que je fais. Ils sont partout. Surprise, pas encore avoir perdu de life là-dessus. Je sais pas pour vous, mais... Il est où Hades? Ah, il est là. Ouf. Non, pas darkness. Pas darkness. J'ai l'oreille qui me gratte, c'est horrible. Il va falloir que je mette une pause à un moment donné. Aïe. Bon, c'est que le premier.
Du coup, là, s'il se fait geler, il perd ses 10% aussi. Moi, j'ai pas l'impression. Hein. Il y en a trois. Ouais, ouais, c'était ça, quoi. Ouais, là, l'appel de Déméter sur ce coup-là, il est pas dégueu, hein. Ah zut. Ah, il est là l'autre. Mais c'est moi où il fait des renvois là-dessus, hein. Ah ouais. Ah, dommage. Perdu bêtement de la life là. En même temps j'ai aussi l'effet de vengeance qui est pas dégueulasse. Oula ouais, là faut que je fasse gaffe. Ça l'aura touché, je suis pas sûr. Voilà, je pense que j'ai réussi quand même à en décarrer suffisamment déjà. Rayon, non? Il y en a combien de ces trucs là? Ouf! Pas de panique! Pourquoi c'est tout flou? Pourquoi je sens venir la phase 3, sérieusement, quoi? Moi, je suis là à attendre Pépouze dans mon coin. Ah zut! Oh putain! Oh. Ah! Il a fait mal celui-là! Vous sentez que c'est chaud là, hein? Je veux même pas savoir la gueule que je dois avoir à chaque fois, quoi. À chaque fois que je fais mes grimaces, là, quand papa, il me touche. Grelot, ça picote. Non! Ouais. Putain. Je sais pas à quoi m'attendre là, donc ça va être chaud. D'accord. Déméter, là tu vois c'est le moment. Hein. Ah oui, c'est littéralement Darkness, hein, on est d'accord. Je sais pas si je vais y arriver sur ce... Quoique... On verra bien.
problème, c'est que là, je vois pas les squelettes, donc ça... Ouais, d'accord, il recharge sa life encore. J'avais pas vu toutes les jarres qui restaient. Mais tu me la pètes cette jarre? Aïe. Ouf. J'ai marché dans quelque chose. C'est un peu ça, ouais. Ah, chiant pour ces jarres là. Ah, je t'ai pas vu. En vrai, c'est dommage. Là, j'aurais bien aimé avoir les racines persistantes. Je dis pas. Ah, zut, dommage, dommage. Ah, mais c'est pas mal. Ça marche pas mal quand même, hein. Par contre, je suis pas sûre, le truc de Déméter, j'ai pas l'impression qu'il est proc pour Hadas. Ah, j'étais pas loin. C'est J'ai quand même des bonnes combos. Mais je vous l'avais dit, hein, malgré les trucs, j'étais quand même foutu de perdre. Mais je suis allée, c'est le plus loin que je suis allée pour l'instant sur... C'est-à-dire 32 points de vie, c'était large. Ça aurait pu passer, ça aurait pu. Ça aurait pu. Ou pas. Mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, j'y suis presque. So Orpheus was finally able to reunite. Ah, elle me parle d'Orphée. Je pense qu'il est pas mal pour péter les jarres de Régène, mais c'est peut-être pas le mieux. Le soutien de Déméter, tu veux dire? Is it even possible for father to return a mortal back to life if he so chose? Le soutien de Déméter, ouais. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Pas un soutien de corps à corps. Athéna pour l'invulnérabilité, mais en même temps, si c'est pour les péter une par une, je peux faire ça avec mon dash. Hein. La plupart du temps, j'y arrivais. Aphrodite est pas mal aussi. Ah ouais, c'est vrai que soutien d'Aphrodite, j'ai pas très souvent. Mais en vrai, le truc le plus chiant sur la phase 3, c'est tout simplement quand il régène, quoi. Parce que s'il avait pas régène, je l'aurais eu. Oh, I've no idea. Si j'avais eu les racines persistantes, je l'aurais eu aussi, je pense. Je sais quoi viser la prochaine fois pour le battre, ce bâtard. Hein. Après, au glaive, c'est pas mal. Enfin, ouais. J'ai essayé que au glaive et au canon, à l'arc, je tenterai même pas. C'est mort. Wait, we were so moved. You were there when Orpheus came to try and rescue Eurydice. Ah, elle était là. Aphrodite, c'est vrai, faudrait que j'y pense à l'occasion. Your father knew I loved their music. Imagine my surprise to see him as a... I had no idea. Bon, allez, Cerber, je t'en veux pas, je te caresse quand même. I mean, old father's nice to you, at least, isn't he, boy? Ah, j'essaierai d'y penser, ouais, pour le truc d'Aphrodite. Je suis en train de me dire, au point, ça pourrait être sympa aussi. Au point avec du Aphrodite, ça pourrait être intéressant de le faire. Gros combat d'endurance, je suis pas sûr que le bourré pendant qu'il se régène soit valable, c'est ce que je fais d'habitude, mais je finis souvent au tapis. Mais en vrai, le truc, c'est que j'avais pas forcément percuté à chaque fois immédiatement qu'il était en train de se régène. Donc du coup, je le bourrais parce que, bah, je le bourrais, quoi. Mais bon.
Comme dit, c'est le plus loin que je suis arrivée. C'est toujours mieux que les fois précédentes. Première fois, j'ai pas passé la moitié de la phase 1, donc... Ouais, ma chouette design, bonne soirée, bonne nuit, toi aussi. Bah, merci d'être passé. Et moi, de toute façon, là, je vais finir les petits dialogues, et après, je vais tout doucement préparer un petit raid, et je vais arrêter aussi, parce que là, ça se fait un peu tard pour moi pour faire encore une run. Je vous cache pas. Mais je veux quand même finir, vendre mon poisson, et tout, et tout. Bah voilà, du coup, je suis bourré de nectar, moi. Je vais y aller aussi, je pense, c'était cool à regarder. Enjoy et excellente soirée. Bah écoute, excellente soirée à toi aussi, merci d'être passé. Et puis, bah, je vais aller sauvegarder et faire un poté raid. Ouais, de toute façon, il n'y a pas grand monde à qui parler, donc. Voilà. Du coup, je vous envoie chez qui? Je vais voir. Est-ce que je vous envoie chez quelqu'un qui fait du Hades, tant qu'à faire hein. On va voir qui c'est qui en ligne. Peut-être des gens que je connais pas. En tout cas, dans les gens que je suis, je crois qu'il n'y a personne qui fait du Hades là tout de suite. Non, Dionysos, il fait du Outer Wild. J'ai envie de dire, tiens, il y a quelqu'un là, chaîne en français, et je suis en train de me dire, mais en fait, c'est moi. Bah, toi aussi, bonne soirée, Scooby. Hein. BSK tout court. Peut-être vous envoyer chez BSK. Je sais pas qui c'est, je vais voir. Il fait du Hades, ouais. Ouais, bah écoutez, je vais tenter ça. Je connais pas du tout, ça me donnera l'occasion de découvrir un autre streamer. Et puis à vous aussi, je l'espère. Et bien toi aussi, Azriel, passe une excellente soirée. Je vous prépare le petit raid. Alors c'est quoi la commande? C'est slash raid. Hein. Alors... Comme ça, je verrai. C'est pas un chat follower only? Non, c'est cool. C'est parfait. Voilà. J'envoie le raid. Et puis, ben, écoutez, en tout cas, merci encore à tous ceux qui sont venus, y compris ceux qui lurquent, hein, s'il y en a. C'est pas un souci. Et puis, ben, merci d'être venu. Donc, prochain rendez-vous, c'est vendredi soir pour Super Séduceur 2. On finira le jeu, a priori. Voilà, voilà. Bah écoutez, je lance le raid. Une bonne nuit à tout le monde. Et peut-être à vendredi pour ceux qui peuvent venir. Bye bye. Bienvenue à vous. Je veux pas quelqu'un. Vous étiez sur quoi ?